Test.
Je vous demande de reprendre vos places, s'il vous plaît. On va pas tarder à démarrer notre mercredi de Luprar. Alors, s'il vous plaît, juste pour des questions techniques, alors, éteignez vos téléphones, silence pendant le streaming, et surtout, s'il vous plaît, aucune interaction jusqu'à la fin. C'est bon, on peut commencer. Donc il y a une retransmission directe. Bien, bonsoir. Nous entamons notre mercredi de Luprar dans cet bel établissement en présence de mes maîtres et mes amis et que je salue chaleureusement et avec la faible présence des résidents comme d'habitude que je ne salue pas chaleureusement puisque je l'ai déjà dit, je le redis, ces séances de Luprar sont faites pour les résidents, pour la formation des résidents et je regrette toujours qu'ils soient au nombre de 18 ou 20 alors que notre UPR compte plus de 60 résidents. Donc, pour ainsi dire, la plupart des résidents ne sont pas là. Donc, veuillez leur transmettre un petit peu notre mécontentement, le mécontentement du corps enseignant. Alors, nous avons eu, j'ai quelques informations à vous donner. Nous avons eu il y a quelques minutes une réunion des membres organisateurs du prochain congrès de notre UPR. Cette réunion s'est déroulée en présence des principaux chefs de service, j'allais dire, et nous avons conclu aux décisions, enfin nous avons pris les décisions suivantes.
La première chose, c'est que notre congrès va se dérouler le 22 juin 2019 et il aura lieu ici même, à l'hôtel de Vieux, en sachant qu'il sera les séances plénières et les séances d'enseignement se feront ici et que la séance, le cocktail dînatoire, en tout cas la partie festive de cette réunion, se déroulera à Bosnera, à l'hôtel Vichy Bosnera. Donc il y aura des navettes qui vont pouvoir prendre les conférenciers à partir de l'hôtel de Vieux pour les transporter, assister au coucher du soleil dans un établissement tout aussi magnifique que celui-là et qui se trouve à Bosnera. Donc ça, c'est la première chose. Veuillez bien sauver la date du 22 juin 2019 pour notre congrès. Trois thèmes ont été retenus pour ce congrès. Il y a le thème des accidents vasculaires cérébraux, quoi de neuf en 2019. Un deuxième thème concernant l'anesthésie et la pathologie neuroendocrinienne. Et un troisième thème concernant les assistants circulatoires, qu'aussi bien assistants circulatoires qu'il s'agisse des assistants circulatoires respiratoires, dans le cadre des complications respiratoires du syndrome du SDRA, que des assistances hémodynamiques quand le SDRA aboutit à une défaillance hémodynamique. Et donc nous aurons aussi bien des conférenciers marocains que des conférenciers étrangers pour nous familiariser avec ces techniques qui doivent impérativement être maintenant utilisé de manière courante dans notre pays. Nous avons accusé un retard important dans ce domaine et maintenant le temps est venu de pouvoir le combler très rapidement. Voilà, donc c'est un petit peu l'objet de cette réunion après mercredi de l'UPRAR. En ce qui concerne la journée, le programme de cet après-midi, nous avons donc cinq conférenciers en fait au total qui vont se succéder. Deux conférenciers pour le premier cas clinique, un conférencier pour les trois autres. Donc ça fera quatre cas cliniques en tout. De quoi s'agit-il? Alors, on aura dans un premier temps professeur Belhri qui va nous parler de la craniectomie décompressive dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral ischémique, avec l'avis du réanimateur et l'avis du neurochirurgien. Et nous accueillons avec bonheur professeur Gzès, qui a bien voulu se joindre à nous. Et je salue cette initiative. J'espère que nos mercredis de l'UPRAR s'ouvrent de plus en plus. Nous sommes une spécialité transversale. Et à ce titre, je souhaite vraiment vivement que nous fassions participer nos collègues des autres disciplines et qu'on puisse vraiment enrichir le débat. Le deuxième cas clinique est un cas de réanimation médicale qui sera soutenu par le professeur Hicham Brali. Donc je vous laisse un peu la surprise parce que ça sera un cas interactif. Donc pour l'occasion, M. Mazouzi pourra intervenir. Oui. Vous pouvez. Et puis, la troisième séance va concerner un thème très intéressant, et qui est celui de l'induction à séquence rapide. Donc, là aussi, quoi de neuf en 2019, quand on doit faire une anesthésie générale en urgence, estomac plein. Et puis, enfin, il y aura une lecture critique d'un cas de la littérature, d'un papier de la littérature qui traite des stéroïdes dans le cadre du choc septique, et qui sera fait par le professeur Doumier. Donc sans plus tarder, j'appelle professeur Belhri, et j'appelle également le professeur Gzès, que nous saluons encore une fois chaleureusement, pour démarrer cette séance. Bonjour tout le monde, merci monsieur le professeur Bensouda. Chers maîtres, chers amis, nous avons le plaisir et l'honneur de pouvoir encadrer cet après-midi scientifique. Et donc nous avons commencé par un cas clinique, s'il vous plaît. Donc, nous avions discuté avec nos amis neurochirurgiens de l'hôpital sur les indications et la place des craniectomies décompressives au cours des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, qu'on appelle accidents vasculaires cérébraux ischémiques malins ou infarctus malin, œdème cérébral important. Est-ce qu'il y a une place à la craniectomie? On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment des divergences, ce n'est pas des controverses, mais l'attitude, elle varie d'un spécialiste à l'autre en fonction de plusieurs paramètres qu'on va voir au fur et à mesure. En chiffres, donc aux États-Unis d'Amérique, il y a à peu près 800 000 nouveaux cas d'AVC par an, dont 87% sont ischémiques. Et parmi ces AVC ischémiques, 10% intéressent des sujets jeunes. Et malgré le développement des techniques aussi bien médicales, c'est-à-dire la thrombolyse
que neuroradiologique, la thrombectomie chirurgicale, les AVC ischémiques continuent à tuer des gens et donc on représente la cinquième cause de mortalité de par le monde. Quand ça intéresse des sujets jeunes, donc en pleine activité, on compte très bien l'impact que ça a sur le pronostic fonctionnel, sur le pronostic vital. Quand il s'agit du sujet âgé, l'handicap peut être aussi important et lourd à supporter pour le patient ou pour la famille. En termes de gravité, donc il est habituel qu'on utilise des scores de gravité multifactoriels non spécifiques, le GCS, les troubles de la déglutition qui témoignent d'une hypoesthésie pharyngée qui prédispose le patient à faire des pneumopathies d'inhalation, un déficit moteur lorsqu'il est complet qui témoigne de l'étendue et de fait que l'artère obstruée l'est complètement, la notion de convulsion, de fièvre ou d'instabilité hémodynamique. Donc tout ça, ce sont des facteurs de gravité qui nous aident à classifier les patients. Les neurologues utilisent un score donc, qui est assez retenu dans les indications thérapeutiques, le NIHSS. Donc, lorsqu'il est inférieur à 7, ça traduit que l'AVC est mineur et ça peut avoir un impact thérapeutique puisque au-delà de 22, l'AVC ischémique est dit majeur avec une aggravation très probable et le risque de transformation hémorragique élevé. Et d'ailleurs, un score NIHSS supérieur à 22 constitue pratiquement une contre-indication à la thrombolyse, tellement le risque de transformation hémorragique est important. Ceci représente le score NIHSS. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs items, mais parmi les 12 items qu'il y a, un seul item qui est coté sur 3 nous intéresse en termes de retentissement sur les grandes fonctions, alors que les autres sont des items plutôt fonctionnels, donc il n'est pas très applicable chez le malade de réanimation. Ce qui est important aussi à considérer comme score de gravité, c'est le score de gravité initial et la prédiction de l'évolution ultérieure. On va voir, ça impacte au niveau de l'indication de la craniectomie. Et donc, au niveau de devenir ultérieur, il y a le score de Rankin, qui est l'équivalent du GOS qu'on utilisait, donc le Glasgow Outcome Scale. Donc, c'est le devenir de récupération du patient. Alors, le sixième grade, c'est le décès. Donc, les scores, le plus souvent, ils utilisent entre 0 et 5. Donc, ça va entre un patient qui est complètement asymptomatique, qui a complètement récupéré de ses déficits, à un patient qui n'a pas d'invalidité, à une invalidité minime, sévère ou modérée, en fonction de la récupération du statut neurologique du patient. Donc, nous allons présenter rapidement deux observations de patients qui ont été admis chez nous pour un AVC ischémique étendu, malin, qu'on a qualifié de malin, et dont chacun l'attitude a été différente. Donc, le premier patient, c'est un homme de 43 ans sans antécédent qui a été admis pour un trouble de conscience avec une hémiplégie. Après mise en condition, donc, le scanner, il a trouvé un énorme AVC ischémique au niveau du territoire de l'artère sylvienne moyenne droite avec un engagement sous-falcorial, donc une déviation de la ligne médiane qui était catastrophique. Et puis, donc c'est l'IRM du même patient. À la troisième heure d'hospitalisation, le patient s'aggrave avec un GCS à 3, une mitriase bilatérale avec des troubles neurovégétatifs, un Doppler transcrânien qui montre une hypertension intracrânienne majeure, et on appelle nos amis neurochirurgiens qui posent l'indication d'une craniectomie décompressive pour soulager le cerveau. Le patient reste dans un coma neurovégétatif et il décède au 15e jour. Le deuxième patient, donc un homme de 81 ans, qui est admis là aussi pour un coma avec un Glasgow A4 et des signes de focalisation. Le scanner qui montre un AVC ischémique étendu, déviation de la ligne médiane, un ventricule droit qui est complètement collabé. Pas l'indication de la craniectomie malgré un Doppler transcrânien qui montre une hypertension intracrânienne. Et le patient, donc, il décède au 8e jour. Et on a essayé de comparer les deux patients. Qu'est-ce qu'il y a en commun, qu'est-ce qui est différent, alors qu'un patient a eu la craniectomie et l'autre ne l'a pas eu. Donc, ce sont deux cas qui ont été traités différemment et on a essayé de dégager à travers ces cas donc, une attitude à avoir devant d'autres patients qui ont des AVC mâles. Alors, il s'agissait tous les deux d'hommes âgés respectivement de 43 et 80 ans qui étaient admis avec un score de GCS bas, avec un AVC étendu en hypertension intracrânienne. Un autre élément dans la comparaison, mais qui ne semblait pas avoir influencé l'attitude de nos amis neurochirurgiens, celui qui a eu la craniectomie, c'est le frère d'un médecin ORL, et celui que l'on n'a pas bénéficié, il n'était que l'oncle d'un médecin anesthésiste réanimateur, mais je ne pense pas que ça, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas opéré. Donc, la craniectomie décompressive, qu'est-ce qu'on peut dégager à travers ces deux observations, à travers une revue de la littérature? Les traitements de l'hypertension intracrânienne, c'est vrai qu'ils sont nombreux et importants. La craniectomie elle-même,
Est-ce qu'on peut se compliquer d'hémorragie, d'infection, mais c'est un geste qui, quand même, on en arrive quand on a dépassé les autres moyens. Alors, quels sont les niveaux de stratégie thérapeutique et les effets secondaires? Donc, les hypotensions qui sont secondaires au barbiturique, les problèmes de neuromyopathie secondaire à la sédation, les problèmes d'hypothermie secondaire là aussi au barbiturique. Donc, tout ça, donc, ce sont des limites à approfondir certaines thérapeutiques. Et on va présenter donc des études pour dégager l'intérêt de cette craniectomie décompressive. Alors, la première étude qu'on avait retrouvée, donc, c'est une étude contrôlée randomisée, alors qui était menée entre 2000 et 2002 et qui n'a été publiée qu'en 2014. Donc, c'est la première étude qui a été faite. Et donc, à travers 20 centres nord-américains, à partir d'un échantillon de 4000 patients, seuls 25 patients étaient éligibles et répondaient aux critères d'inclusion. C'est-à-dire qu'à travers les études, l'échantillon, la taille d'échantillon des patients, elle est très faible et trop faible pour essayer de dégager des conduites thérapeutiques ou des guidelines thérapeutiques. Et donc, c'est la discussion qui aura besoin de plusieurs paramètres. Et donc, à travers cette étude, la craniectomie décompressive a permis de réduire la mortalité des patients sans pour autant améliorer l'évolution de score de Rankin, c'est-à-dire l'évolution à 6 mois. Par la suite, donc, il y a eu une méta-analyse de 3 essais européens. Donc, vous avez en bas l'acronyme des méta-analyses, l'acronyme des initiales, décimales, destiny, Hamlet, qui a pris des sujets de moins de 60 ans, donc tous les sujets avaient moins de 60 ans, et ils ont comparé le bras traitement médical seul et le bras traitement médical suivi d'une craniectomie décompressive. On a constaté que la mortalité diminuait de 71 à 21%, d'un 22% avec la craniectomie décompressive. Et par ailleurs, le pourcentage de bons résultats, c'est-à-dire un score de Rankin à 0, 1 ou 2 ou 3, qui augmentait de 21 à 43%. Cependant, ces études ont été achevées prématurément de ce qui était convenu et la taille de l'échantillon elle était faible. Par la suite, donc, il y a eu une deuxième génération de l'étude Destiny. Donc, elle a pris en considération, elle a inclus les patients au-delà de 60 ans pour voir est-ce qu'on a un bénéfice à aller faire des craniectomies décompressives chez ces patients. Et donc, on a eu aussi une diminution de la mortalité. Oui, c'est bien. On a eu un effet favorable sur le score de Rankin modifié. Néanmoins, il n'y avait pas de bonne récupération, c'est-à-dire les Rankin 0 et 2 étaient comparables entre le bras traitement médical seul et le bras traitement médical. Et donc, ça pose à discussion. Une étude japonaise donc, qui a été publiée en 2014, qui a essayé de comparer l'âge. Alors, l'âge des patients, le maximum de patients qui ont bénéficié de craniectomie décompressive, c'était entre 70 et 80 ans. Donc, ils arrivaient à des âges assez élevés pour la craniectomie. Les études ne manquent pas pour prôner l'intérêt de la craniectomie décompressive. Donc, on fait la craniectomie décompressive pour l'AVC ischémique et l'infarctus malin. Donc, on en fait. Il y a plusieurs études qui sont disponibles dans la littérature. Pour ce qui est du timing, le maximum d'études, donc c'est entre 24 et 48 heures qu'on fait la craniectomie décompressive. Et puis, ce timing est tellement important que la précocité de la craniectomie décompressive ressort comme facteur pronostique indépendant aux analyses multivariées. C'est-à-dire, plus tôt on ferait la craniectomie décompressive, meilleur serait le pronostic, au même titre que le siège de l'infarctus. Et puis, récemment, donc en janvier 2019, a été publiée une revue de la littérature donc, qui a pris en compte le timing de la craniectomie décompressive au cours des AVC ischémiques et des traumas crâniens. Et donc, qu'est-ce qu'on a constaté? Donc, je vous ai résumé ici les tableaux. Donc, en conclusion, la craniectomie décompressive améliore le pronostic, c'est vrai. Ce qui était important, c'est le timing. Alors, on a vu des timings entre 20 heures et 24 heures. Ils peuvent aller jusqu'à 96 heures, c'est-à-dire qu'on peut faire la craniectomie jusqu'à 4 jours après l'AVC ischémique. Ce qui est important aussi à remarquer, c'est la colonne d'extrême gauche. Vous avez un nombre faible de patients. Vous avez la taille d'échantillon entre 20 et 50. Deuxième partie du tableau, même constatation. Donc, la taille, donc c'est pendant les 4 premiers jours. Le nombre de patients ayant été inclus dans l'étude, donc ça ne dépasse pas une trentaine, maximum 50 patients. Donc, c'est difficile de faire dégager des conclusions à travers ça. Et puis, par la suite, donc, un sondage électronique qui a été demandé par l'Académie anglaise
l'Académie britannique donc, de neurologie. Donc, c'est un sondage électronique avec un questionnaire qui a été envoyé aux différents praticiens, médecins réanimateurs, médecins rééducateurs, neurochirurgiens et neurologues. Et donc, c'est un questionnaire auquel les praticiens ont répondu et on a fait le résultat de ce sondage. Alors, ici, vous avez le questionnaire qui a été envoyé, donc le type de spécialité, l'endroit d'exercice, le type de patient que vous avez à traiter, pour qui indiqueriez-vous les micranectomies, c'est-à-dire votre expérience personnelle et vos vécus, le GCS des patients que vous, chez lesquels vous utilisez les micranectomies, et en réponse, quand on a englobé les réponses, l'âge des patients pour lesquels vous indiqueriez la crânectomie, la majorité, c'est des patients inférieurs à 60 ans. Par la suite, on peut l'indiquer chez les patients entre 60 et 70 ans. Pour ce qui est du territoire cérébral intéressé, donc la majorité, c'était le territoire de l'artère cérébrale moyenne de l'hémisphère non dominant. Donc c'est ce qu'ont répondu la majorité des praticiens. Par contre, pour ce qui est du début des symptômes, donc c'est entre 24 et 48 heures, le maximum, c'est vrai que c'est les 24 premières heures, les anomalies pupillaires n'intervenaient pas dans la prise de décision. Donc ceci est très bien à dire, donc la craniectomie améliore des choses, la craniectomie permet des choses, néanmoins il y a certains soucis. Quand on parle de craniectomie pour traiter un œdème cérébral malin, ce n'est pas un geste anodin. La craniectomie, c'est ça, c'est soit une craniectomie bifrontale, c'est-à-dire qu'on enlève les deux os frontaux, soit une hémicraniectomie, c'est-à-dire une craniectomie fronto-temporo-pariéto-occipitale. Et donc, il faut bien peser le mot, parce que c'est un geste qui est quand même agressif. Et il faut peser la question du bénéfice de ce geste qui est agressif. Donc, ce n'est pas un geste anodin. Et donc, on est en droit de se poser la question de l'acceptabilité de ce geste par la famille du patient ou par la demande du patient auparavant, avant qu'il n'ait fait l'AVC. Et donc, le sondage anglais qui a été fait, donc ils ont analysé l'acceptabilité du patient lorsque le pronostic fonctionnel est un ranking 2 ou 3, donc c'est le patient qui accepte bien sûr, ou qui aurait accepté, ou la famille qui accepte. Par contre, quand il s'agit d'une invalidité sévère ou très sévère, on n'aurait pas accepté la craniectomie. Et donc ça doit se faire discuter en fonction de ça, donc de l'intérêt, du bénéfice de craniectomie. On ne doit pas se dire le patient doit survivre, c'est tout, on doit faire la craniectomie. Peut-être s'il n'accepte pas un handicap majeur, on devrait revenir sur cette décision. Et donc, la qualité de vie et le consentement du patient doivent être bien analysés. Il est évident que la craniectomie améliore la survie, améliore le taux de mortalité, oui, mais il n'est pas certain qu'elle améliore le devenir et la récupération fonctionnelle du patient. Et on est en droit de discuter avec la famille du patient ou avec les désirs du patient auparavant de la notion de bénéfice substantiel, c'est-à-dire comparer un risque inacceptable et un devenir qui peut être tolérable. Avoir un patient qui ne décède pas, mais qui survit avec un score de ranking à 4 ou 5, donc c'est un handicap pour le patient, pour la famille et peut-être pour la société. On est gêné parce qu'on a besoin d'une décision rapide, qu'il soit décidé rapidement, et ce n'est pas toujours évident. Une revue systématique donc, qui a été publiée en 2017, qui a montré que la majorité des patients et ou de leurs familles sont satisfaits du résultat fonctionnel après une micranectomie, mais il faut avoir une interprétation prudente, car ceci peut varier en fonction du type d'étude, des critères d'inclusion, du timing de chirurgie et de l'évaluation du devenir des patients. Et je vous remercie. Et sans plus tarder, je donne la parole à mon ami, le professeur Zeff, pour nous parler du point de vue du neurochirurgien dans cette pathologie. Merci. Merci. Je remercie les organisateurs et le directeur de l'IPR d'anesthésie réanimation pour me donner l'occasion de parler d'un sujet qui est fort intéressant, un sujet qui prête confusion, mais aussi controverse, de nombreuses controverses qui persistent dans ce sujet-là. Et nous-mêmes, lorsqu'on nous appelle pour opérer un malade qui présente un AVC ischémique grave, on hésite longuement et on essaye de trouver toutes les excuses du monde pour ne pas opérer le malade. Parce qu'on sait qu'on n'est pas encore, on reste réticent parce que
les résultats ne sont pas probants. On le verra. Je pense que Dr Barthier a tout dit, mais quand même, je vais ajouter quelques... Voilà, pour dire que cette craniectomie décompressive, quand même, a été décrite depuis longtemps, au début pour le traumatisme crânien, mais pour les tumeurs cérébrales qui ne sont pas opérables, pour d'autres pathologies, mais actuellement, il est beaucoup plus utilisé, disons que pour l'hypertension intracrânienne, que ce soit d'origine traumatique ou d'origine vasculaire. Les indications, on l'a bien dit, aujourd'hui on s'intéresse beaucoup plus aux AVC ischémiques graves, donc l'infarctus malin, mais il y a encore d'autres pathologies pour lesquelles on peut la décider. Le rationnel d'utilisation de la craniectomie serait d'améliorer la compliance du système de la boîte crânienne. La boîte crânienne qui est rigide, on essaie d'améliorer sa compliance en enlevant une partie. Donc lorsqu'on enlève une partie de la boîte crânienne, le système devient compliant, donc la pression intracrânienne diminuera par la suite. Donc c'est ça le but, c'est d'essayer de trouver de l'espace pour que diminuer cette pression intracrânienne. Deux situations en matière d'AVC ischémique. L'infarctus sylvien malin, dont le décès approche des 80% des cas, pathologie grave étant donné cet œdème ischémique qui surviendra entre le deuxième et le quatrième jour après la constitution d'un infarctus sylvien malin. Et le second, c'est l'infarctus cérébelleux, qui quand même reste une indication à la chirurgie. Je vais quand même juste passer en revue certains scores qui vont nous aider pour poser l'indication au score NIS et présente quand même une excellente corrélation avec le volume de l'infarctus cérébral. Le volume de l'infarctus cérébral reste parmi les paramètres les plus importants pour poser l'indication de la chirurgie. Le score dans lequel modifié, là, c'est le pronostic ou le devenir ultérieur. Donc, 6 grades, passant de 0 où le patient est asymptomatique jusqu'au grade 6, qui correspond au décès du patient. L'IRM reste l'examen de choix. Il faut utiliser cet IRM en séquence de diffusion. Et ça nous permettra de mesurer le volume de l'infarcissement. Et ce volume-là, on peut mesurer soit en essayant de contourner cette plage en hypersignal, ou alors manuellement, et on commence dès le début de l'infarcissement, c'est-à-dire l'image où apparaît cet infarcissement jusqu'à la fin, et après, lorsqu'on aurait quand même un volume, on le multiplie par l'épaisseur de coupe. Ou alors, il y a des logiciels semi-automatiques. Il faut savoir dès maintenant que le score de 145 cc est défini comme le meilleur signe prédicteur avec une sensibilité de 100% et une spécificité de 94%. On opère à partir de ce seuil, de ce volume de 145 cc, de volume de l'infarctissement cérébral. Et là, ça représente toute la gravité de cette affection. Les autres éléments prédicteurs, on vient de dire le volume de 145 cc, on dit c'est le score de Nice qui est supérieur à 20, mais d'autres disent que c'est à partir de 15, donc lorsqu'il serait supérieur à 15, la baisse de la vigilance et lorsqu'il y a un infarctissement total des territoires de l'artère sylvienne. Je vais juste rappeler les types de craniectomie décompressive. Là, il n'y a pas de prophylaxie, il n'y a pas de traitement préventif en matière d'AVC ischémique. On n'indique pas de décompression primaire ou prophylactique dans cette pathologie. Par contre, on peut l'indiquer dans le cadre du traumatisme crânien. Parce qu'il peut y avoir dans un traumatisme crânien un hématome cérébral aigu qui est volumineux et on est obligé de l'enlever, de l'évacuer. Lorsqu'on enlève l'hématome cérébral aigu, on essaie quand même, dès le début, on dit que ce patient-là va s'aggraver parce qu'il y a des contusions associées. Il vaut mieux réaliser un volet décompressif dès ce geste-là. Ce n'est pas la peine de revenir par la suite pour réaliser un volet décompressif. Donc, il n'y a pas de chirurgie décompressive prophylactique. Alors que, dans ce cas-là, c'est la chirurgie qui reste secondaire, mais qui est thérapeutique pour essayer d'élargir la boîte crânienne et réaliser une craniectomie décompressive. Là, c'est juste pour montrer cette craniectomie. C'est vrai que c'est un geste qui est très agressif,
Là, la craniectomie doit être très large, frontale, temporale, pariétale, même occipitale. Elle doit descendre vers le bas. Elle doit éviter le sinus, les sinus veineux, pour ne pas compromettre le retour veineux. Elle doit quand même respecter les sinus crâniens. Et elle doit descendre le plus bas possible par une craniectomie sous-temporale pour libérer le lobe temporal, pour éviter l'engagement temporal qui est la cause du décès. Donc le volume de ce volet, la taille du volet doit être plus importante. Il faut y associer une dérotomie, c'est-à-dire ouvrir la dermère et la laisser, ou alors déroplastie, il faut réaliser une expansion, c'est-à-dire réaliser une plastie de la dermère pour éviter les autres complications qui viendront par la suite, notamment les fissures du liquide céphalo-rachidien et les fuites et les méningites, et par la suite, pour si le malade survivra, il faut avoir quand même un champ opératoire qui nous permettra de réaliser la craniectomie dans de bonnes conditions. Ces trois types de variables qui expliquent le pronostic. D'abord, l'affection, l'accident vasculaire cérébral, la gravité clinique, on vient de le score de Nice, la taille de la lésion ischémique, l'RM de diffusion, l'occlusion artérielle, est-ce qu'il est complète ou non, et l'étiologie. Le patient, élément très important, l'âge, moins de 60 ans ou plus de 60 ans, l'autonomie avant l'AVC. Donc, il faut rechercher si ce patient avait encore des disabilités motrices avant et aussi les autres affections, le terrain associé. Le critère principal sur lequel on insistera sur le plan de résultats, c'est l'évaluation, les trois études européennes qui ont été citées par mon ami le professeur Balkhi, qui incluait 93 malades, 42 patients qui ont été pris en charge médicalement et 51 pris, donc ont été traités, le bras chirurgical, et ces essais thérapeutiques, ils avaient les mêmes critères d'inclusion, et le critère de jugement principal était le devenir fonctionnel après 6 mois et une année. Là, on voit le résultat qui a été observé, que vous voyez que cette colonne, le score 6, qui correspond au décès, le bras médical, le bras chirurgical. Vous voyez que la mortalité baisse d'environ 50%. Donc déjà, on gagne sur le plan mortalité. Donc, ça nous encourage à réaliser une craniectomie décompressive. Donc, la mortalité baisse de moitié. Le deuxième élément, c'est, vous voyez, la mortalité baisse, mais aussi le nombre de patients avec un score de 2 ou 3. Donc, il augmente la fourchette pour ces deux scores, il augmente. Donc, là, la survie avec un score qui est acceptable, inférieur à 3, c'est-à-dire 0, 1, 2, il est multiplié par 2. Donc, le nombre de malades double. Le troisième élément, c'est, on gagne sur ce score de 4 MRS à 4, où il y a une disabilité, mais qui reste modérée. Donc, ce nombre de malades, cette fourchette, augmente. Donc, on gagne sur le nombre de malades survivants, mais aussi sur le nombre de pronostics concernant le bras chirurgical et le bras médical. Tous ces trois résultats donc, indiquent qu'il y a de bons résultats, et ça encourage à essayer la craniectomie décompressive. Au-delà de 60 ans, mon ami vient de le dire, là, cette étude-là montre que chez les patients de plus de 60 ans, la mortalité diminue d'un tiers, donc 33% survivent de plus et il n'y a pas d'augmentation de l'handicap sévère. Donc l'âge ne restera plus quand même un obstacle à penser à réaliser une craniectomie décompressive. Cette craniectomie décompressive, donc, pour résumer, il augmente la survie de 80% des cas. 80%. Il multiplie par deux la probabilité de survie avec un score qui est acceptable, donc un handicap qui reste léger. Il multiplie par 10 la survie avec aide, les malades ranking 4, et il n'augmente pas la proportion de patients avec un handicap très sévère. Et c'est ce qu'on reprochait au début à cette craniectomie décompressive, c'est
de transformer des morts à des malades végétatifs. Je pense que cette diapositive résume que on n'obtient pas de malades végétatifs, il restera quand même un surplus ou une difficulté pour la famille. Je pense que le résultat, là, cette diapo mesure que on gagne sur la survie, on gagne sur le pronostic fonctionnel de ces patients-là. Cet infarctus sévère, donc on vient de le dire, là pour comparer, je termine bientôt, la survie globale, 60% pour le 80% pour le bras chirurgical, 30% pour le cas pour le bras médical, et vous voyez que le pronostic fonctionnel il diminue, moins de 4, donc presque 3 quarts des malades quand même arrivent à se déplacer. Les recommandations. Je pense que lorsqu'on voit un malade en salle de réanimation, un malade qui est hémiplégique avec un score qui est supérieur à 15, un âge entre 55 et 60 ans, mais je pense que l'âge n'est plus un obstacle, il n'y a pas d'autres disabilités, il n'y a pas d'autres affections. L'élément essentiel, c'est l'IRM qu'il faut réaliser avant les 24 heures, et cet IRM-là va nous définir les malades qui seront traités chirurgicalement et ceux qui sont traités médicalement. Le seuil de 145 cc est très important. Il faut réaliser une IRM dans les séquences avec diffusion. Si ce score dépasse 145 cc, c'est l'hémicranectomie décompressive suivie des traitements médicaux standards. Si le score, si ce volume-là est inférieur à 145, c'est le traitement médical et la surveillance, et peut-être refaire l'IRM par la suite. Et la rééducation, bien sûr, qui en suivra. La décision de la crânectomie décompressive dans les deux heures d'un infarctus sévère avant 60 ans doit être prise au cas par cas. Il faut discuter, c'est difficile de discuter avec le patient, il est dans un état qu'on ne peut pas, sauf s'il avait déjà écrit un consentement éclairé. Mais la famille est très importante pour en discuter parce qu'on n'est pas sûr de devenir fonctionnel pour ce patient-là. Je pense que le consentement de la famille, le staff médical est très important pour prendre la décision qu'il faut la prendre vite. L'âge, donc je pense qu'il faut tenir beaucoup plus de l'âge physiologique, et les anesthésistes là, le savent, donc 60 ans n'est plus un obstacle. L'entourage familial est très important pour prendre la décision. Je termine, c'est la dernière diapo. L'infarctus cérébelleux, donc il y a deux indications là. C'est tout recommandé par la Société française de neurovasculaire. Si il y aurait un effet de masse sur le tronc cérébral, on réalise une crânectomie décompressive. On peut même toucher le cerveau et évacuer le ramollissement, le tissu cérébral nécrosé. Ou alors, on réalise une dérivation externe ou carrément une dérivation interne, une dérivation des liquides sphalo-rachidiens. La crânectomie, ce n'est pas un geste anodin. Un malade sur 10 aurait présenté une complication qui aurait besoin d'un traitement médical et ou chirurgical. Et je passe là-dessus, une hématome post-opératoire, les infections, les fuites de SCR, les hydrocéphalies post-opératoires, les problèmes de greffon, les problèmes de complications, de plaies opératoires. Voilà. Je remercie, je pense que j'ai été... Merci, mon ami professeur Gizet, donc avec lequel nous collaborons à travers plusieurs sujets de patients. Et nous avons choisi ce sujet, mais je ne sais pas pour l'assistance, c'est vraiment un controverse ou est-ce que ce sont des attitudes qu'on doit discuter. Et donc la parole est à la fin si vous avez des questions. Oui, c'est à moi. Je te remercie, cher ami Hicham. Je vous félicite pour la qualité de vos conférences. Alors, en fait, moi, ce que je voudrais, en fait, replacer le patient dans un circuit, pour que, surtout pour les résidents, pour qu'ils puissent comprendre, en fait, comment on traite un malade qui se présente pour un AVC. Malade. C'est-à-dire un malade qui se présente aux urgences, première chose qu'on demande, c'est un scanner avec 11 jours. Parce que maintenant, les recommandations de fin 2018, on n'est plus en mesure de thromboliser sur du C-. Maintenant, c'est en fait des angioscans, voire des angio-IRM. Pourquoi on fait un angioscan ou un angio-IRM? C'est pour en fait, défiler sur l'acheminement que vous avez bien formulé vos slides. Ça veut dire que quand on fait un angio IRM ou un angio scan, déjà une idée sur le thrombus d'abord. Il y a thrombus et la topographie de ce thrombus.
Quand on est sur un versant M1, sur une portion M1 d'acide vienne, portion proximale, ou bien un tandem, ça veut dire une carotide, un siphon carotidien avec une portion proximale, ben à ce moment-là, on est dans le registre AVC s'il vient malin potentiel. Et on complète par une IRM diffusion qui, elle, va calculer le volume de 145 ml. Et on complétera par un flair pour voir en fait la précocité ou non de l'AVC. Parce que vous savez très bien que quelquefois on a idée sur l'heure de survie de l'AVC, mais quelquefois il y a des AVC du réveil, on n'a pas idée, et c'est le flair qui nous montre réellement est-ce qu'il y a de la nécrose avec un risque de transformation hémorragique, et auquel cas c'est une contre-indication à la thrombolyse. Donc quand on est dans ce versant M1, je me permets de m'expliquer pour vous voir un peu l'acheminement, donc on met ce malade sur un créneau danger, potentiellement craniectomie décompressive. Et donc, idéalement, la science dit thrombolyse plus thrombectomie, parce que de toute façon, ces malades-là, s'ils ont des flairs négatifs, ils vont être thrombolysés, mais comme c'est des versants proximaux, ils ne vont pas se reperméabiliser, le taux de reperméabilisation ou de recanalisation ne dépasse pas le tiers, et donc ils sont thrombectomisés. Et donc, sur cette thrombectomie, on a une grande portion qui rejoint des MRS entre 0 et 2 au bout de 3 mois. Alors, notre cas de figure, comme vous l'avez si bien marqué dans vos observations, on a des malades qui reviennent hors délai. Entre parenthèses, pour tout ce qui est thrombectomie, vous avez dû lire les études Darwin. Maintenant, la thrombectomie, ce n'est pas 4h30, c'est jusqu'à 12h. Parce que maintenant, et jusqu'à 24h. Ça veut dire, si on a une bonne suppléance sur l'angio-IRM, parce que maintenant, il y a des techniques d'IRM qui nous montrent les suppléances, on peut même thrombectomiser jusqu'à 12h, 24h, du moment que le flair est négatif. On élargit le panel des malades qui rentrent dans la thrombectomie. Et donc, sur ça, donc, puisqu'on est, on est devant des malades qui viennent hors délai, on est devant des malades, comme vous avez si bien marqué, on a des malades qui viennent déjà avec des infarctus consommés, avec des shifts importants, et c'est pour cela que vous avez des mortalités effroyables, comme ce qu'on avait le cas. Alors, ce qu'on préconise de façon pratique chez nous, à l'hôpital des spécialités et à la fondation, c'est que c'est des malades qui viennent précocement, et quand ils viennent, on les met dans ce chapitre de potentiellement craniectomie, et donc on raisonne par rapport au volume, bien sûr, qui est initial, mais on raisonne surtout par rapport à la rubrique état de conscience. Parce que, comme tu l'as si bien dit, mon cher ami Hicham, le NICE, on raisonne, nous, les réanimateurs, par rapport à l'item conscience. Ça veut dire, le malade qui perd un seul point sur le thème conscience sur le NICE, un seul point sur le NICE, pas sur le GCS, on le considère comme potentiellement pour une craniectomie décompressive. Et donc, si on a un résumé, un malade qui ne bénéficie pas de thrombolyse, qui ne bénéficie pas de thrombectomie, il est potentiellement candidat à une craniectomie décompressive. S'il perd un point de son état de vigilance dans les 12 heures, ça veut dire on craniectomise dans les 12 heures, soit dans les 48 heures après le début des symptômes. Et cette craniectomie, là où je ne suis pas d'accord avec toi, cette craniectomie ne peut être que frontotemporo-occipito-temporale, ne peut pas être bifrontale, parce que la sylvienne, elle ne vascularise que le territoire homolatéral. Et cette craniectomie, comme l'a si bien dit Sixes, doit être le plus large, avec un diamètre qui dépasse les 12 cm, avec un volet, on précise bien parce que nos amis neurochirurgiens, on a eu du mal à les convaincre, ils remettaient le volet avec une placidura. Les recommandations sont très claires, il faut mettre le volet en intra-péritonéal. Et il faut remettre le volet au minimum 6 semaines. Et on a des cas qui sont passés à l'hôpital des spécialités, à la Fondation, avec des très bons MRS au bout de 6 mois et une année, avec des MRS à 2-3. Donc je crois que c'est l'acheminement, pour être plus clair, pour... Moi, ce qui me dérange dans la craniectomie décompressive, c'est qu'on la réserve pour les malades les plus graves. Et systématiquement, les malades plus graves auront un pronostic mauvais. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le seuil, le cut-off de 145, il est un peu trop large, parce qu'il est élevé. Et les malades qui ont 145 cc sont d'emblée graves. J'aimerais bien essayer le problème, c'est que la craniectomie décompressive, si on l'essaie sur des malades qui ont un volume moindre que 145, est-ce que le pronostic s'améliorera? Parce que moi, lorsque je l'essayerai sur des patients 145, le MRS toujours. C'est ça le problème, parce que en l'essayant sur des patients très graves, le pronostic sera toujours réservé. Et c'est comme les niveaux de sédation des
La sylviamanie à la chronicité de la prise en charge. Quand vous avez un 145 cm3 qui vient à la première heure, vous le trombectomisez, vous le thrombolisez, il sort sur ses jambes. Ça, on l'a eu quand on était à l'étranger. Alors, le problème des 145, c'est qu'ils ne doivent pas se transformer en flair positif à 145. Parce que si vous avez une diffusion à 145, parce que ce qu'on croyait, c'était qu'il y a quelques années, que la diffusion, c'était de la nécrose. La diffusion, c'est plus de la nécrose maintenant. La diffusion, elle peut être récupérable ad intégrum. Et in fine, on peut récupérer un malade. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est pour ça que j'ai parlé de l'acheminement du malade, c'est que le malade qui rentre très tôt, à 14, pas à 5, à 14, 13, avec un thrombus proximal, M1 ou un tandem, on ne doit pas attendre qu'il descende à 5. Il perd un point dans le Nice, avec un AVC à 145, on le propose pour la clinique décompressive. Oui, mais si tu disposes de thrombectomie endovasculaire, est-ce que tu vas indiquer une hémicraniectomie chez un patient qui a un GC114? L'hémicraniectomie n'est indiquée que pour les malades qui ont consommé leur ischémie. Quand on indique c'est un GC114, tu as une thrombectomie, tu ne fais pas d'hémicraniectomie. Quand on fait une thrombectomie, on n'a pas besoin de faire une hémicraniectomie, parce que quand on fait une thrombectomie, on a une perfusion, et donc on n'a pas de nécrose. Là, on fait une hémicraniectomie chez un malade qui a ischémie, qui est infarcié de son territoire sylvien et qui donne une HTIC maligne. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. La dernière. Oui. Moi, ce que j'aurais, une petite remarque. Ce que j'aurais voulu, c'est que vous nous montriez un cas d'évolution favorable et un cas d'évolution défavorable. Mm-hmm. Vous nous avez montré deux cas catastrophiques qui ont été pris en charge tard. Donc, moi, j'ai peur que les gens retiennent à quoi sert la craniectomie. On a des cas qui ont bien évolué, Tu as eu la très bonne idée d'amener avec toi un neurochirurgien. J'aurais voulu que le neurochirurgien se mouille davantage et qu'il nous dise, moi, je suis... C'est difficile. Quand on a fait la revue, quand on a fait la revue de la littérature à Semezouzi, c'est difficile pour eux de se mouiller. Comme il l'a dit, les neurochirurgiens se font un peu tirer l'oreille. Quand on veut comparer, pardon, hémicraniectomie dans les traumas crâniens, ce n'est pas du tout les mêmes réflexions au cours des AVC. Alors, dans les AVC, le problème qu'a soulevé Sibylle Yamini, il est tout à fait pointu, parce que les études qui ont été faites, l'hémicraniectomie est faite chez un patient qui est d'emblée grave. Donc, il est un petit peu prévisible que les résultats soient mauvais. D'accord. Et ce sont ces études qui ont été faites. La taille des échantillons est toujours faible. Donc, on a eu ce n'est pas des séries de centaines de patients. Vous avez des séries de vingtaines, de trentaines au maximum de patients. Et donc, les nouveaux papiers qui sortent actuellement, c'est des MRS. Les nouveaux papiers qui sortent actuellement ont dissipé le doute. Mm-hmm. Maintenant, comme a dit Sibylle Yamini, quand on a des GCS profonds et des NIS très élevés, il est clair que quand on fait la craniectomie, on n'a rien à en tirer. Mais en fait, toute la clé du succès de la craniectomie, c'est comment détecter ces malades. C'est pour ça que je parle de l'acheminement du malade. Un malade qui rentre gentil et qui a des NIS bons et qui, sur une petite aggravation dans les 12 heures, avec un volume important et un thrombus proximal, on propose une craniectomie et on a un bon MRS. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense que je suis d'accord. C'est une équipe qui devrait... C'est un travail d'équipe. Je pense que ça commence par les urgences, ça commence par le neurologue, le réanimateur, et je pense qu'il ne faut pas tarder. Si dans une formation, on demande une IRM et on dit demain, on fera l'IRM, je ne pense pas que ce raisonnement que je viens de dire va tenir. Je pense qu'il faut constituer une cellule de médecins, comme l'a fait Dr. Bliamani, je pense, à l'hôpital, la thrombolyse, je pense qu'il avait, le malade avait des circuits, il a des urgences, il y a un neurologue qui est dédié pour ça, un neurochirurgien qui est déjà averti, un cardiologue, je pense que les choses doivent se dérouler de cette manière. Hicham, est-ce que tu peux faire une conclusion pour les résidents? Oui. Quelque chose de clair? Alors, pour ce qui est des AVC ischémiques, le traitement primordial, c'est le traitement médical. La craniectomie peut être discutée, toujours le consentement du patient et consentement du patient ou de la famille et les avertir sur les risques potentiels et les différents devenirs potentiels. Donc on ne garantit pas un résultat d'une hémicraniectomie. On ne garantit pas de résultat dans d'autres pathologies, mais il y a certains facteurs qui nous permettent de dire. Dans l'hémicraniectomie au cours des AVC ischémiques, il faut envisager les différentes possibilités et les différents scénarios possibles et laisser à la famille le choix clair de prendre la décision.
Je vous remercie. Et je donne la parole tout de suite à mon ami professeur Prali pour nous parler d'un cas clinique intéressant. Merci. Chers maîtres, chers collègues, donc à mon tour, je me plie au souhait de mon maître, le professeur Mazouzi, qui désire toujours de rapporter des cas cliniques qui suscitent une discussion diagnostique ou thérapeutique. Et là, je vous rapporte un cas de réanimation médicale, purement médicale. Donc, il s'agit d'une patiente qui est âgée de 59 ans, qui n'a pas d'antécédent pathologique particulier, et qui a été admise pour prise en charge d'un trouble de conscience apéritique. L'histoire de sa maladie remonte à 3 mois auparavant par des céphalées rebelles au traitement symptomatique et des vertiges. Par la suite, juste après, installation d'une paraparésie qui a suscité de réaliser une IRM cérébrale qui s'est révélée normale et puis une IRM médulaire qui a montré un canal lombaire étroit au niveau L5. La patiente fut opérée en neurochirurgie et il y a eu une amélioration relative de sa paraparésie, mais par contre, il y a eu une aggravation progressive des fonctions supérieures, notamment intellectuelles, avec des hallucinations visuelles et troubles de comportement. 2 jours avant son admission, elle présente des troubles de la conscience. Raison pour laquelle elle a été admise au service des urgences de l'hôpital militaire, l'examen initial montre une patiente avec un GCS A9. Elle était mutique et akinétique. Pas de convulsions généralisées, plutôt de convulsions partielles, brachiofaciale majorée par les stimulations auditives et tactiles. Sans signe déficitaire, les pupilles étaient égales à réactives avec des réflexes ostéotendineux qui étaient vifs. Elle était apéritique, elle était stable sur le plan hémodynamique et respiratoire. Alors, comme toute pathologie ayant un syndrome de trouble de la conscience apéritique, recherche étiologique, notamment métabolique, tout le bilan était normal, la glycémie, le bilan électrolytique, le bilan hépatique rénal, la calcémie. On est allé jusqu'à chercher des thyroïdites graves avec des troubles de la conscience qui se sont révélés normales. L'encéphalopathie toxique, un bilan toxicologique a été réalisé qui s'est révélé négatif. Et peut aller pour la recherche d'une cause intracérébrale, un TDM cérébral qui est revenu aussi normal. Malgré le fait que le patient soit apéritique, on a réalisé quand même une ponction lombaire qui est aussi normale. Et on a complété par des sérologies. Sérologie VIH, hépatite, maladie de Lyme, syphilis qui sont révélées aussi normales. Donc, pour être plus complet, on a cherché est-ce qu'il peut s'agir d'une encéphalopathie paraneoplasique. On a demandé la recherche d'anticorps antineuronaux qui se trouvent dans les encéphalopathies paraneoplasiques qui sont révélées aussi négatives. Vu les convulsions partielles, on a réalisé un électroencéphalogramme qui a montré un ralentissement diffus qui est aspécifique, mais surtout des bouffées d'ondes lentes. Ça oriente vers quoi? Ça oriente vers un état de mal épileptique non convulsif. Parce qu'il y a beaucoup de bouffées d'ondes lentes qui sont très importantes. Donc c'est un état de mal épileptique non convulsif. Alors la prise en charge pour tout état de mal épileptique, c'est la sédation et la mise de la patiente sous turpentale. Et introduction d'un traitement anti-épileptique à base de valproate de sodium et de phénobarbital. Au 3e jour, on arrête la sédation pour évaluation neurologique. Absence d'amélioration au bout de 48 heures d'arrêt de sédation. GCS reste à 8, mais disparition des convulsions partielles. Et là, devant la persistance de trouble de la conscience, on refait un autre électroencéphalogramme qui montre la disparition des bouffées d'ondes lentes mais apparition de pointes hémisphériques périodiques. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, nous aussi non. Donc on a complété par une IRM cérébrale qui a montré une anomalie du signal bilatéral symétrique intéressant les noyaux gris centraux, notamment les noyaux caudés, les noyaux lenticulaires et le rebond corticosotentoriel à type d'hypersignal au niveau flair, T2 flair, et au niveau et en séquence de diffusion. Ça oriente vers, toujours non, ça oriente vers une encéphalite. Et on a un neurologue qui est performant et a
radiolococytes performants, qui nous a orienté un petit peu, nous a dit ça probablement, il peut s'agir d'un encéphalite à prion. C'est quoi l'encéphalite à prion? C'est l'encéphalopathie spongiforme sporadique, ou ce qu'on appelle la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Alors, cette pathologie, pour avoir un diagnostic de certitude, il fallait compléter par une ponction lombaire et la recherche au niveau du LCR d'une protéine qu'on appelle la protéine 1433. Et c'est un bilan qu'on a envoyé en France pour l'interprétation. Donc, la recherche de protéine 1433 était positive et ça nous a mené vers le diagnostic confirmé de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc, la maladie a été retenue sur un faisceau d'arguments clinico-biologiques, radiologiques, électriques et en absence d'autres diagnostics alternatifs. L'évolution de notre patiente a été péjorative. Il y avait un survenu d'une pneumopathie acquise sur une mécanique acetobacter gomalique qui a été traitée. Par la suite, aggravation neurologique progressive, altération du GCS, disparition progressive des réflexes transcérébrales, la mort cérébrale à J25 et le décès de la patiente au 28e jour. Alors, qu'est-ce que c'est cette maladie de Creutzfeldt-Jakob? Non, je vais y arriver. Alors, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, dont l'encéphalopathie spongiforme transmissible humaine est la plus fréquente, il s'agit donc d'une dégénérescence du système nerveux sans réaction inflammatoire ou immunitaire, avec accumulation d'une isoforme anormale d'une protéine qu'on appelle la protéine prion. C'est une maladie rare, concerne 1 sur 1 million, un cas pour 1 million d'habitants. Alors pour le Maroc, ce matin j'ai appelé notre cellule d'épidémiologie à inspection de services de santé qui ont contacté le ministère de la Santé et il y a 2 cas pratiquement par an qui sont déclarés au Maroc, dans ce cas-là qu'on avait déclaré. Donc en 2018, il y a seulement 2 cas au Maroc déclarés dans ce cas-là. Donc c'est une pathologie qui reste très, très rare, qui reste méconnue par nous les praticiens. Alors il y a 3 formes cliniques. Il y a la forme sporadique, qui est la plus fréquente, 80-85% des cas. C'est des pathologies sans étiologie. On n'a pas d'étiologie. Et il y a des formes génétiques avec mutation au niveau du gène qui cause la protéine prion, 10%. Et il y a des formes iatrogènes qui se sont révélées après greffe de la cornée, greffe de la dure-mère ou après injection de hormones de croissance chez l'homme. 5% des cas. Et aussi, une autre variante, c'est la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est la maladie de la vache folle, qui a commencé en 1994-1996 en Grande-Bretagne et qui a eu une autre épidémie par la suite. Alors, au Maroc, le premier cas confirmé de la maladie de Creutzfeldt-Jakob a été décelé en 2005 sur une étude anatomopathologique en post-mortem. Donc, comme je venais de dire, il y a plusieurs formes cliniques. La forme la plus répandue, c'est la forme sporadique, 80% des cas. Ce qu'il faut savoir, toutes ces formes, la durée de survie elle est très limitée. Pour la maladie sporadique, 6 mois seulement. Notre patient est décédé après un mois d'hospitalisation. Pour la maladie héréditaire, avec anomalie du gène qui cause la protéine prion, c'est 10 ans. Pour la maladie de vache folle, 18 mois. Mais la particularité, c'est qu'elle touche plutôt les sujets jeunes. C'est un tour de 25 à 30 ans. Et il y a notre forme clinique qu'on appelle le curu. Alors le curu, c'est une pathologie qui était révélée dans une tribu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, chez les femmes et les enfants. C'est une tribu qui était répandue pour son cannibalisme. Et c'est les femmes et les enfants qui mangeaient le cerveau, la cervelle, le moelle épinière des défunts, des morts. Et pour ça, ils étaient les plus touchés. Alors, le diagnostic de cette maladie est difficile. Il repose donc sur un faisceau d'arguments cliniques et paracliniques. Le diagnostic de certitude n'est fait que sur un post-mortem, sur une étude anatomopathologique d'un tissu cérébral qui va montrer donc une spongiose, une raréfaction neuronale, une gliose ou la présence de protéines prion qui est anormale. Donc le tableau clinique le plus répandu que je venais de dire, c'est la forme sporadique qui débute vers 60 ans. Et qui évolue en moyenne en 3 à 6 mois. Ça commence par une démence avec des anomalies neurologiques, les myoclonies, les signes cérébelleux, les signes visuels avec hallucinations, les signes pyramidaux et extrapyramidaux et un mutisme akinétique. L'examen complémentaire le plus
le plus demandé, c'est l'électroencéphalogramme, qui montre de façon typique des anomalies périodiques spécifiques, biphasiques ou triphasiques. L'IRM montre surtout l'atteinte de la substance grise. La substance blanche n'est jamais touchée dans cette maladie. Donc ça concerne surtout les noyaux gris centraux, les cortex cérébraux ou cérébules. Et puis pour confirmer le diagnostic, comme je dis tout à l'heure, on cherche une protéine qu'on appelle la protéine 1433. Malheureusement, ça ne se fait pas au Maroc, on est obligé de l'envoyer en France. Et cette protéine est le marqueur de destruction neuronale rapide et massive. Donc ça, la présence de cette protéine dans le SCR a une sensibilité de 93% et une spécificité de 98%. Malheureusement, il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle de cette maladie. Tous les patients évoluent vers la mort, vers le décès, malheureusement. Revenons à notre patiente. L'enquête est environnementale et pas de cas similaire dans la famille, donc on a éliminé la forme héréditaire. C'est une patiente qui vit dans le milieu rural, donc n'a pas voyagé à l'étranger, n'a pas consommé en principe de viande bovine. Par contre, la première IRM cérébrale, faite 3 mois avant son admission, était normale. Elle était opérée par un canal lombaire étroit. Puis, 3 mois après, elle est admise à l'hôpital et c'est l'IRM qui a montré l'encéphalite. Alors, au bout de 3 mois, est-ce qu'on peut avoir une évolution de cette maladie de forme sporadique en 3 mois? Ce qui est décrit dans la littérature, c'est 3 à 6 mois. Elle, c'est 2 mois et demi à peu près. Est-ce qu'on peut suspecter une contamination péropératoire lorsqu'elle était opérée pour son canal lombaire étroit? Cela nous mène à parler des implications de cette maladie en anesthésie-réanimation. Ce qu'il faut savoir, à l'heure actuelle, aucun résultat épidémiologique ou expérimental ne permet de suggérer que les prions, c'est l'agent pathogène de cette pathologie, puisse donc se transmettre de personne à personne par contact direct. Et ce prion ne se transmet pas aussi ni par la salive, ni par les urines, ni par la sécrétion corporelle. Par contre, l'OMS a bien clarifié les choses et il y a certains tissus qui sont répandus par leur infectiosité, notamment dont les plus qui ont une infectiosité plus élevée, c'est le cerveau, la moelle épinière et les yeux. Cela veut dire que le patient atteint de cette maladie risque de contaminer les instruments de chirurgie, donc neurochirurgie, chirurgie ophtalmique, et aussi la chirurgie de l'amygdale. Donc cette patiente a été opérée en neurochirurgie pour son canal lombaire étroit. Point d'interrogation. Alors l'agent pathogène, c'est le prion. Le problème de prion, elle n'est pas détruit par les techniques habituelles de désinfection et de stérilisation. Donc il faut une procédure spéciale pour l'éliminer. Et puis, l'infectiosité s'est trouvée de façon très importante au niveau de la lymphe. Et qui dit lymphe, c'est le carrefour digestif, c'est les amygdales. Donc, cela nous mène à parler de cette patiente qui était intubée ventilée en réanimation pendant 28 jours et trachéotomisée à J15. Donc, le carrefour digestif, donc en principe, il faut éliminer tous les dispositifs médicaux qui étaient en contact avec ce carrefour digestif. La sonde d'intubation, le masque laryngé éventuellement, la sonde gastrique, la canule de Gadel. Pas seulement le détruire, mais surtout, ce qui est indiqué, c'est l'incinération. En plus de ça, ce qui est recommandé, c'est incinérer de tout le matériel qui était en contact avec le patient. Les draps, les literies, tout. 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 Alors, pour conclusion, donc la maladie de Creutzfeldt-Jakob sporadique doit être évoquée devant toute détérioration intellectuelle, rapidement progressive, accompagnée de myoclonie et d'anomalies périodiques à l'électroencéphalogramme. C'est une pathologie très grave qui évolue pratiquement toujours vers le décès. Le problème au Maroc, c'est qu'on n'a pas de laboratoire qui permet donc le diagnostic et la recherche de la protéine 1433 au niveau SCR. Et la méconnaissance de cette maladie, des fois, je suis sûr qu'on prête confusion entre cette maladie et d'autres pathologies similaires, comme l'Alzheimer, comme les démences séniles. Donc, c'est des patients, si on n'a pas de notion sur cette maladie, on risque de passer à côté. Et je vous remercie. Merci Bakali pour cette passionnante et angoissante observation. Ben, on n'y pense pas, mais
certainement qu'on a dû avoir des cas de Creutzfeldt-Jakob. Alors, première question, est-ce que le neurologue a été appelé pour interpréter les EEG? C'est lui qui l'interprète. Et il n'a pas pensé à cette maladie? C'est lui qui nous a orienté. Non, mais un peu tard, je crois. Quand il nous a montré les images de contrôle de l'IRM. Elle est partie chercher. Entre-temps, il y avait indication de faire un IRM cérébral. Elle est revenue vers nous, nous disons probablement qu'il s'agit de maladie. Et à l'EEG? L'EEG, oui. Est-ce que l'EEG ne l'a pas orienté vers la maladie? Si. Voilà. Parce que tu as parlé de myoclonie et après tu as conclu un état de mal non convulsif. Non, les myoclonies, ce n'est pas de l'épilepsie. Hein. Oui. C'est des myoclonies et c'est typique de ce tableau. C'est pour ça que je dis ce qu'il n'y a pas pensé avant. Non. C'est un état de mal épileptique. Est-ce que c'est un état de mal? Oui, le premier EEG est un état de mal épileptique. C'est les ondes lentes. C'est bouffé de l'onde lente. Est-ce que ça correspond à une épilepsie ou bien ça fait partie de ce tableau? Je ne sais pas, moi. C'est des ondes périodiques, biphasiques ou triphasiques. C'est ça. La deuxième, c'est une petite remarque. Je te taquine un peu. Lorsque tu as conclu l'évolution de cette malade, malheureusement, bien, comme il était attendu, donc évolution défavorable, tu as mis mort cérébrale à J, je ne sais pas combien, et 3 jours plus tard, décès de la maladie. Bah, c'est décès. Hein? Décès, ça veut dire qu'elle a rendu l'âme. Comment? Elle a rendu l'âme? Non, elle a rendu l'âme quand elle est passée en mort cérébrale. C'est ce qu'on apprend aux résidents l'autre jour. J'aurais été attention dans la presse. Il y a de telles erreurs. Non, elle est décédée quand elle était en mort cérébrale. Et si tu veux, arrêt de l'activité cardiaque 3 jours après ou bien débranchement de la maladie. Voilà, c'est une petite précision. Bon, comment ils ont précisé? Quand même, c'est des réanimateurs, ils ont dû avoir leurs critères. Merci en tout cas. C'est toujours très intéressant d'écouter ces observations rarissimes. Monsieur Mussouda. Je voulais rebondir sur la nécessité de faire attention au matériel qui a été utilisé. C'est ça. Et quand on a vécu l'époque de l'épidémie du Creutzfeldt-Jakob, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans les années 94-95. Et à ce moment-là, les recommandations étaient d'utiliser du matériel à usage unique. Usage unique, effectivement. Parce que c'était la seule parade. C'est ça. Pour éviter tout risque de contamination des patients. Et effectivement, peut-être que parmi les conclusions que l'on devrait dégager, que quand il y a une suspicion de Creutzfeldt-Jakob, ou en tout cas, le matériel qui a été utilisé chez cette patiente, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il est devenu. Je parle des signaux, des instruments chirurgicaux, de la boîte de chirurgie. Est-ce qu'elle a été détruite ou est-ce que... Non. Incinérée, la boîte de trachéotomie a été stérilisée en suivant les recommandations de l'OMS. Pardon? La boîte de trachéotomie a été stérilisée en suivant les recommandations de l'OMS. C'est-à-dire? C'est-à-dire nettoyage, stérilisation et mettre l'autoclave à 134 degrés pendant 18 minutes. Ça détruit les prions? Ça détruit le prion, oui. Pas de questions? Je passe la parole à mon collègue, professeur Lanserelle. Merci, M. le professeur Prali, pour ce cas clinique très intéressant. On passe la parole tout de suite à M. le professeur Misraël, qui va nous parler des actualités de l'induction anesthésique à séquence rapide. Bonsoir tout le monde. Donc, on a eu 3 topos sur la réanimation. Maintenant, on va basculer un petit peu vers l'anesthésie. Et on va parler de l'induction en séquence rapide, quad 9, bien sûr, sans oublier tout ce qui est ancien. Alors, comme définition, l'induction en séquence rapide, c'est une activation rapide sous laryngoscopie
Il y a un hypnotique, il y a un curare avec injection rapide, il y a la manœuvre de silique, et tout ça pour éviter ce qu'on appelle la régurgitation, inhalation passive du liquide gastrique dans les poumons. Le schéma classique, ça a été publié ancien, c'est ça, c'est laryngoscopie, hypnotique, c'est ça, laryngoscopie, intubation, gonflement, capnographie, c'était en 2005. Et le problème qu'on a, c'est-à-dire, le problème qu'on parle souvent, une addiction à séquence rapide, et on oublie souvent le terme d'intubation rapide. Alors, ce n'est pas uniquement une indication, c'est-à-dire l'indiction qui doit être rapide, c'est en même temps l'intubation qui doit être rapide. Ce n'est pas uniquement l'indiction. Pourquoi ? Parce que ce temps court, très court, entre l'indiction et l'intubation, c'est le risque, là, on a un fort risque d'inhalation. Le patient n'est pas protégé et le risque d'inhalation est le plus important entre l'indiction rapide et l'intubation qui doit être rapide. Donc, c'est pour ça que les anglo-saxons, ils parlent beaucoup plus d'une rapide séquence d'indiction et d'intubation. Normalement, on doit parler en français une addiction en séquence rapide avec intubation. Ce n'est pas uniquement une addiction en séquence rapide en oubliant l'intubation. Parce que ce qu'on nous protège, c'est l'intubation qui va nous protéger, ce n'est pas l'addiction. Donc l'intubation rapide, c'est elle qui va protéger le patient contre l'inhalation. Donc on doit être rapide dans notre procédure d'intubation. Alors, de quoi on a peur? Donc on a, on va dire classiquement pour les résidents, on a trois facteurs, enfin trois choses qui vont aboutir à l'inhalation. On a un estomac plein. Le patient va vomir, bien sûr, et on a des protections, c'est-à-dire des réflexes de protection du voie aérien qui est égal à zéro. Soit en faisant l'indiction, c'est-à-dire en injectant du drogue anesthésique, soit en passant qu'il y a des troubles de conscience dans le cadre d'un coma ou autre chose. Donc, il faut trois paramètres pour avoir, c'est-à-dire pour avoir un risque d'inhalation qui est élevé. Ça veut dire estomac plein, régurgitation, vomissement et absence des réflexes de protection du voie aérien. Et tout ça va aboutir, bien sûr, à ce qu'on appelle l'inhalation. Et la conséquence la plus grave de l'inhalation, c'est l'hypoxémie. Bien sûr, avec toutes les conséquences qui en découlent. Alors, revenons sur. On va parler du neuf, mais on va revenir sur l'histoire pour dire. C'est M. Mendeson en 1945 qui a publié le premier cas d'inhalation. C'était des femmes enceintes qui étaient à faire de l'anesthésie. Avec, vous voyez ici, c'est ancien un peu de protoxyde d'éther. Et bien sûr, ventilé au masque, bien sûr, sans silique, sans séquence rapide. Et bien sûr, il a bien décrit. Vous voyez ici que les réflexes ont été abolis. Il y avait des liquides dans le liquide gastrique, il y avait des liquides sur le poumon droit. Et quand c'était massif, les deux poumons sont touchés. Donc, ça a été déjà décrit en 1965. Alors, pourquoi on parle de ça? Premièrement, j'ai trouvé cette étude, c'est un peu contre-éthique. C'est un service des urgences en 2017. Ils ont comparé deux protocoles pour l'indiction, c'est-à-dire pour les patients dans le cadre des urgences. Ils ont fait indiction en séquence rapide et pas d'indiction en séquence rapide en urgence. Donc, c'est un peu contre-éthique, mais a été publié. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que, bien sûr, si on ne faisait pas d'indiction rapide, on a beaucoup plus de régurgitation, donc le risque d'inhalation est beaucoup plus élevé. Donc, on est obligé de faire ce qu'on appelle une indiction en séquence rapide. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le plan médico-légal, vous voyez cette série sur 2017 en américain, vous voyez que l'aspiration, c'est-à-dire l'inhalation, est responsable d'un taux de décès beaucoup plus élevé. Il y a des décès, et bien sûr, il y a un coût qui est derrière. Tous les patients qui restent intubés ventilés, les décès végétatifs. Donc, il y a un coût important en cas d'inhalation. Et bien sûr, vous voyez que les complications respiratoires, bien sûr, le problème d'intubation de ventilation. Et on a l'aspiration, vous voyez que plus de la moitié sont responsables de décès. Donc, deux intérêts. Alors, pour les résidents, donc juste pour dire qu'on trouve souvent ces deux paramètres. Ces deux paramètres sont les facteurs de risque de gravité de l'inhalation. Ce n'est pas l'inhalation, c'est de la gravité. Ça veut dire chaque fois qu'un patient va inhaler un volume qui est supérieur à 0,4 ou un pH acide, on aura de graves conséquences de l'inhalation. Alors, d'où vient ça? C'est un peu ancien, c'est en 65. Alors, les auteurs ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font inhaler à des chiens. Heureusement, il n'y avait pas d'association pour la protection des animaux. Donc, ils ont inhalé à des chiens des volumes, vous voyez ici des liquides et des volumes croissants. Et à la fin, on va résumer. Vous voyez ici, par exemple, ici un peu le pH un peu élevé, ici un pH très acide, un KCC, plus un pH 1,65, vous avez un taux de mortalité à 100%. Donc c'est pour ça, par extrapolation du site animal, qu'on a dit pour les hommes, pour l'être humain, un volume supérieur à 0,4 et un pH acide, c'est des facteurs de risque de gravité de l'inhalation. C'est des études qui étaient extrapolées à partir du site animal. Alors maintenant, quelles sont les situations à risque? Il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont liés au patient, que ce soit l'estomac et les pleins. Vous voyez, la chirurgie en urgence, un patient qui n'a pas respecté son jeûne préopératoire, le problème d'occlusion, un problème de vidange d'estomac, dans certaines pathologies, le diabétique, l'insuffisance chronique, le trauma, l'utilisation des morphiniques, un problème œsophagien, les RGO, les hernies hiatales, ou un problème d'anomalie de l'œsophage. Donc, c'est des facteurs qui sont liés au patient. Il y a des facteurs qui sont liés à la chirurgie.
en péropératoire, dans la chirurgie gastro-intestinale, laparoscopie, et il y a bien sûr des facteurs qui sont liés à l'anesthésie. Une anesthésie qui est légère, en ventilant le patient, on va augmenter son volume, il va inhaler pendant l'injection anesthésique. La pression positive, les anciens, on va dire, les dispositifs paraglottiques avec anesthésie qui est légère, et bien sûr, enfin, le seul élément qui reste évitable, c'est ça, c'est-à-dire les facteurs qui sont liés à l'anesthésie. Par contre, ici, c'est des facteurs qui sont plus ou moins liés au patient. Donc, c'est ça, ça résume les différents facteurs de risque de l'inhalation ou d'un estomac plein chez un patient. Alors, pour un patient qui a un estomac plein, bien sûr, si on a possible, bien sûr, ça va être la technique de choix, on va éviter l'induction, l'inhalation, tout ça. Donc, la technique de choix, ça reste l'anesthésie corrigénale, sauf que, aux urgences, on a plusieurs contraintes pour faire l'ALR. Vous avez le problème de l'acétabine hémodynamique pour une rachine incisive, vous avez un trauma crânien, vous avez de l'hémorragie, vous avez de l'infection, des sepsis, trop d'hémostase. Donc, plus souvent, on a une ALR qui est plus ou moins limitée. Donc, on recourt plus souvent à une anesthésie générale. Alors, pour résumer cette anesthésie générale, on va parler de ce qu'on appelle la séquence de 7P. Donc, on a la préparation, la pré-oxygénation, le pré-traitement, la paralysie, la protection, l'intubation et la gestion après intubation, donc ce qu'on appelle la séquence 7P. Alors, pour les trois premiers P, vous voyez ici qu'on raisonne en minutes, donc on a le temps. Donc, on a le temps de préparer le site, on a le temps de préparer la salle, on a le temps de maîtriser le centre gastrique, de pré-oxygéner, donc on a le temps. Par contre, dès qu'on commence l'induction, on n'a plus le temps. Donc, le chronomètre est déclenché et on doit protéger le plus tôt possible le patient. Donc, vous voyez qu'on raisonne en termes de secondes. Donc, dès qu'on déclenche le chronomètre, c'est-à-dire dès qu'on commence l'induction anesthésique, on n'a plus le temps de chercher autre chose. Donc, le temps est très précieux. Et vous voyez ici qu'on raisonne en secondes. Donc, normalement, au bout de 45 secondes à 1 minute, c'est-à-dire la sonde doit être déjà en place avec un ballon qui est gonflé. Donc, retenez les 7P, préparation, pré-oxygénation, pré-traitement, le curare, la protection des voies aériennes, l'intubation et la gestion après intubation, ça veut dire la ventilation et la réinjection du curare si vous avez besoin. Alors, pour la préparation, je vais parler le standard, mais deux choses importantes pour les résidents, qu'on oublie souvent, c'est l'aspiration à fort débit. Ce n'est pas l'aspiration des respirateurs dans les sites d'aspiration, généralement c'est faible. Il faut toujours avoir une aspiration chirurgicale. Parce qu'en cas d'inhalation, l'aspiration de la station d'anesthésie, c'est pas si toujours faible, donc ça va être catastrophique. Deuxième chose importante, ce qu'on appelle, c'est la possibilité de basculer rapidement à table, mettre le patient en déclive. Donc, on a besoin soit de la commande à table électrique, soit de la manivelle. Le plus souvent, il n'est pas sur place. Donc, on ne doit pas le chercher à la dernière minute. Donc, il doit être prêt et bien sûr proche de la tête du patient. Bien sûr, le reste, c'est des standards pour l'anesthésie. Mais les deux choses particulières pour l'induction en séquence rapide, c'est l'aspiration à fort débit et la possibilité de basculer rapidement la table opératoire. Alors, l'échographie, est-ce qu'il y a un intérêt, bien sûr, l'échographie en train d'ouvrir l'anesthésie et réanimation? Il y a déjà un écran 2014, c'est-à-dire la gestion des patients avec une échographie, comment on va faire? Alors ici, il y a l'évaluation de deux choses. La distension gastrique, la distension des voies aériennes supérieures. Vous voyez ici, c'est-à-dire si des voies aériennes qui sont, il n'y a pas de problème de voies aériennes supérieures et vous avez un tube gastrique déjà en place, donc on peut mettre, bien sûr, c'est-à-dire aspiration plus induction en séquence rapide avec intubation. S'il n'y a pas de type, c'est-à-dire en place, là, on doit évaluer la distension gastrique. Est-ce qu'elle est importante ou modérée? Est-ce qu'elle est sévère? On doit passer sur la sonde gastrique. Si elle est modérée, on peut commencer l'induction en séquence rapide sans mettre la sonde gastrique. Par contre, ici, vous voyez ici, enfin, c'est une proposition, ce n'est pas des recommandations. Par contre, ici, si on n'arrive pas à mettre une sonde gastrique, vous voyez, il propose de mettre une intubation, c'est-à-dire avec intubation, ça veut dire sans induction. Il y a une autre étude, ça c'est une étude, c'est-à-dire la prévalence des estomacs pleins dans un service d'urgence, il y a un dire pour qu'il va sauter. Alors qu'est-ce qu'ils ont montré les auteurs? En faisant bien sûr de l'échographie chez les patients en urgence, ils ont montré que, vous voyez ici, urgence, vous voyez ici, estomac vide, intermédiaire et plein. Vous voyez, c'est 140 patients qui avaient un estomac qui est plein aux urgences, c'est-à-dire en faisant de l'échographie. Bien sûr, ces patients-là, c'est-à-dire un estomac qui est plein, doivent avoir une sonde gastrique ou au moins une injection d'un prokinétique comme préparation. Alors, chose importante, bien sûr, en dehors du cadre, vous voyez que les patients qui étaient programmés pour une chirurgie programmée, vous avez 10 patients qui avaient un estomac plein. Donc, même si les patients avec un genre préopératoire qui est correct, il y a certains patients qui gardent un estomac plein. Donc, il faut faire attention au moment de la ventilation de ces patients. Là, il ressort les différents facteurs de risque. On a les métiers variés, c'est-à-dire les patients qui ont un estomac plein. Vous voyez ici la chirurgie en urgence. L'utilisation préopératoire de la morphine, soit en PCA ou autre chose. Le diabète et l'obésité. On a les métiers, il y a plusieurs choses, on a les métiers variés, mais en métiers variés, il y a quatre paramètres qui sont prédictifs de façon indépendante à l'estomac plein.
la chirurgie en urgence, quel que soit, l'utilisation préopératoire de la morphine chez un patient qui est douloureux, le diabète et l'obésité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la sonde gastrique? Bien sûr, ça permet de réduire, mais jamais à vider. Retirer ou non complètement, oui, sinon on met dans l'œsophage, donc c'est-à-dire, mais pas, c'est-à-dire pas en passant le secteur inférieur de l'œsophage, ça va gêner. Est-ce que la pression cryogénique est efficace? C'est, bien sûr, c'est efficace c'est avec une sonde gastrique qui est rigide, et bien sûr, plus ou moins, ça va nous aider à l'intubation. L'écho, bien sûr, c'est volume d'estomac, et si vous avez une échographie, bien sûr, il faut faire l'échographie pour. Si vous avez l'échographie, bien sûr, on doit faire l'échographie pour estimer la distension gastrique, c'est important d'en mettre. Mais si on n'a pas d'échographie, on a un doute, on met la sonde nasogastrique. Alors, pour le traitement, il n'y a pas grand-chose à changer. Les antiacides, il y a un délai. Ce peut vous compter rapide. Les anti-H2, plus ou moins antiacides, c'est la durée d'action qui est longue. On peut associer les deux pour avoir l'effet de délai et la durée d'action. Les EPP, ça augmente les tolérances œsophagiennes. Alors, ils ont fait étude, bien sûr, toujours avec l'échographie. Ils ont montré que l'utilisation du prokinétique, vous voyez ici, en injectant un prokinétique, le volume d'estomac est diminué après. Ça veut dire l'intérêt d'utilisation d'échographie dans un service d'urgence. C'est-à-dire, en faisant l'échographie, on va voir le volume d'estomac, on va injecter un prokinétique, un accélérateur de vidange gastrique, et par conséquent, après, vous voyez ici que le volume d'estomac il est réduit. Donc, on a un risque d'inhalation qui est faible par rapport, à, c'est-à-dire après l'injection d'un prokinétique. Donc, ça, c'est pour la préparation. Maintenant, on parle de deuxième P, c'est ce qu'on appelle la pré-oxygénation et l'oxygénation. Ça, c'est des classiques, 4 aspirations profondes, objectif, c'est avoir une fraction expirée en oxygène à 90%. Et j'ai parlé d'oxygénation. On parle maintenant beaucoup plus ce qu'on appelle l'oxygénation apnéique. Ça veut dire pendant qu'on fait l'intubation de la laryngoscopie, on doit mettre un sonde nasopharyngé avec un haut débit d'oxygène à 15 litres par minute. Ça permet ce qu'on appelle une oxygénation apnéique, ça veut dire pendant l'apnée. Ça marche par diffusion. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Oui, parce qu'il y a des méta-analyses, donc il y a plusieurs études qui ont été publiées, avec une méta-analyse qui montre qu'il y a un effet bénéfique de l'oxygénation apnéique, ça veut dire ramener de l'oxygène, rapporter de l'oxygène pendant la laryngoscopie. C'est bien bénéfique pour les patients pour estomac plein, c'est bénéfique pour les patients obèses, pour les addictions, pour les chez les enfants, tous les patients à risque hypoxique durant la laryngoscopie et l'intubation. Toujours dans le terme d'oxygénation, il y a un article récent en février 2019, sur les patients en réanimation, parce qu'on fait une addiction séquence rapide, ce n'est pas uniquement aux urgences, en réa ou dans un service, et ces patients en réanimation, vous le savez tous, c'est des patients toujours hypoxiques, parce qu'on a fait les sceptiques, les choqués, on a commencé la VNI, on va intuber, donc ce sont des patients hypoxiques, on va dire à 100%, et plus souvent, ce sont des patients, c'est déjà sur VNI. Alors là, l'idée était simple, c'est comparer deux types de patients chez qui on a fait de la VNI, chez des patients qu'on n'a pas fait de la VNI avant l'intubation. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Voilà, en faisant de la VNI, ça veut dire avant l'intubation, ça permet d'améliorer la saturation, ça permet d'oxygénation, et ça permet de réduire l'incidence de la désaturation après l'intubation. Donc chez les patients hypoxiques, il faut faire de la VNI avant de commencer, bien sûr, c'est-à-dire VNI avant l'induction à séquence rapide. On va passer. La pression cryoïdienne, donc ça c'est les classiques. Voilà comment on va faire, cartilage cryoïde, comment berme dominante sur le rachis. Alors, il y a différentes méthodes pour ça, c'est l'ancienne, c'est-à-dire pour mesurer, la pression 30 newtons, c'est 30, jusqu'à 33 à 20 à 80. Maintenant, il y a des appareils pour mesurer exactement, normalement on doit avoir des appareils pour mesurer exactement la pression cryoïdienne. Donc, avant la perte de conscience, c'est 10 newtons, dès la perte de conscience, 30 newtons. Le problème de la pression cryoïdienne, on le fait. Enfin, généralement, il faut de l'entraînement et il faut de la pratique. Je vais passer pour les contre-indications. Vous connaissez la traumatisme laryngée, le traumatisme rachis cervical, la trachéo, les réticules laryngées et le vomissement actif. Est-ce que c'est efficace? On va voir. Là, c'est une étude IRM qui a montré que, en voyant ici, sans pression cryoïdienne, et ici, vous voyez, c'est la pression cryoïdienne, qu'est-ce qu'on voit? On a une déviation de la trachée et de l'œsophage. On n'a pas de compression. On a uniquement de la déviation. Donc, on n'a pas de compression. Alors, l'objectif de la pression cryoïdienne, c'est l'obstruction, c'est la fermeture de l'œsophage pour éviter l'inhalation. Donc, étude IRM, pas d'obstruction, uniquement les déplacements. Étude échographique, pardon, c'est l'échographie, la même chose. L'échographie, en faisant l'échographie, que ce soit, c'est-à-dire soit en médian, en latéral, c'est-à-dire soit gauche, soit droite, toujours, la pression cryoïdienne ne marche pas. Ça veut dire qu'il n'est pas efficace. Une autre étude, c'est un peu controversé ici, qu'est-ce qu'elle montre? C'est en utilisant un vidéolaryngoscope, vous voyez ici, il comprime, on n'arrive pas à passer, que ce soit en position médian,
que ce soit l'œsophage, il est dévié à droite, pardon, à gauche ou à droite. Ici, il montre que en faisant la pression cricoïdienne, on obstrue toujours l'œsophage. Ça, c'est étudié par un vidéo de laryngoscope. Vous voyez ici, par position médiane, dès qu'on fait, voilà, c'est ouvert, c'est fermé, on n'arrive pas à passer son os gastrique. La même chose ici, à gauche, le plus souvent l'œsophage est à gauche, à droite, c'est moins souvent, donc on n'arrive pas à passer. Donc les données sont plus ou moins controversées. IRM, échographie, c'est négatif, et ici, c'est positif. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La revue Cochrane n'est pas nécessaire. Donc, la pression cricoïdienne n'est pas nécessaire pour faire la résection en séquence rapide. Alors, dernièrement, il y a un éditorial publié en 2019. Ça veut dire la pression cricoïdienne, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut le mettre à côté. Et pourquoi ils disent ça? En se basant sur un article publié dans la même revue, bien sûr, sur le même numéro, ils ont cherché d'autres alternatives. Ça veut dire que ce n'est pas la pression cricoïdienne, c'est la médiane. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont fait une pression plus ou moins déviée. Une pression, c'est-à-dire une paratrachéale gauche. Vous voyez ici une compression paratrachéale gauche. Apparemment, ça marche mieux qu'une pression cricoïdienne. Vous voyez ici l'œsophage, soit en position sagittale, en position médiale, ça comprime l'œsophage. Donc, ça, c'est l'échographie. Comment on peut faire manuellement? C'est ça. Donc, une compression paratrachéale gauche, pas une pression cricoïdienne. Et qu'est-ce qu'ils ont montré, ces auteurs? Vous voyez ici le paratrachéal groupe, le groupe pression cricoïdienne et le groupe contrôle. Vous voyez le volume, c'est différent. Bien sûr, ce groupe contrôle, il n'y a rien, 320. Et après, vous voyez ici, il n'y a pas d'air. Ça veut dire, chez ces patients-là, après une paratrachéale, ça veut dire une compression paratrachéale, on n'a pas de passage d'air au moment de la ventilation. Par contre, même avec une pression cricoïdienne, on a un passage d'air. Ça veut dire quoi? Que cette manœuvre de compression paratrachéale gauche est plus efficace qu'une pression cricoïdienne standard ou classique. Donc, ils notent que voilà, l'application de manœuvre paratrachéale elle est beaucoup plus efficace et ça permet d'éviter, bien sûr, l'entrée d'air et par conséquent, ça permet la sortie. S'il permet de faire l'entrée, bien sûr, automatiquement, ça permet de faire sortir tout ce qui est dans l'estomac. Donc, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut mettre la pression cricoïdienne à côté parce qu'il y a d'autres alternatives, bien sûr, d'autres recherches pour justifier, bien sûr, ça et mettre la pression cricoïdienne à droite, à côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La pression cricoïdienne, c'est une technique de référence. Ça reste toujours dans une bonne pratique clinique. Le problème, c'est un argument opposable sur le plan médico-légal. Si le patient va inhaler, est-ce qu'on a fait la pression cricoïdienne ou non? Ça se discute. Je pense, je ne sais pas, mais on doit continuer à l'utiliser. En attendant, des nouvelles recommandations plus claires. Alors, pour les drogues anesthésiques, il n'y a rien de standard. Le produit doit être puissant, en respectant les délais, la durée d'action. Pas de problème respiratoire, pas d'effet secondaire. Il y a la succinylcholine 1 mg par kilo et le rocuronium qui est l'alternative en présence de contre-indication. Alors si on a le choix, voilà, je passe pour les contre-indications. Alors maintenant, si on a le choix entre rocuronium et rocuronium et la succinylcholine, qu'il faut choisir? Alors il y a une méta-analyse, les différents articles. Il y a une série marocaine, le professeur Biamani, il a fait partie pour cette méta-analyse, donc l'article du professeur Biamani. Je pense ici. Donc, qu'est-ce que c'est cette méta-analyse? Il dit que la succinylcholine est beaucoup plus efficace par rapport au rocuronium si le rocuronium est utilisé à 0,6 mg par kilo. Par contre, en 0,6 à 1,2, il est moins efficace. Donc, succinylcholine est meilleure par rapport au rocuronium à 0,6. Si on utilise le rocuronium à 0,9 à 1,2, il est plus ou moins, on va dire, identique. Voilà les conclusions. Il y a une revue Cochrane, la même chose. Vous voyez ici, il n'y a pas de différence à condition d'utiliser le rocuronium à 0,9 à 1,2. Si vous utilisez le rocuronium à 0,6, il est inférieur. Donc le rocuronium à 0,6, il est inférieur à succinylcholine. Entre 0,9 et 1,2, il est comparable. Par contre, qu'est-ce qu'ils disent? Même à 0,9 à 1,2, ils disent que la succinylcholine permet d'avoir des conditions d'intubation supérieures. Mais quel critère objectif? On ne sait pas. Mais sur l'étude, c'est-à-dire dans les statistiques, ça reste comparable. C'est la revue Cochrane de 2015. Pour le choix des hypnotiques, donc il n'y en a pas beaucoup, il y a le tiopenta qui est l'hypnotique de choix. Les patients choqués, c'est l'étamitol avec la kétamine. Le propofol, on est obligé d'avoir une stabilité hémodynamique. Si on compare étomidate et la kétamine, ça c'est pour des patients en trauma, c'est-à-dire en comparant deux produits, la kétamine et étomidate, ça veut dire répéter, avoir un effet hémodynamique modeste. Je vais passer là. On va passer. Et vous voyez que La seule chose qui est différente, c'est les épisodes d'infection. Ça veut dire les patients qui ont été avec l'étomidate, vous avez beaucoup plus d'infections hospitalières par rapport aux patients induits avec la kétamine. Mais sans impact sur la mortalité.
Ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'épisodes d'infection, mais pas d'impact sur l'infection. Ça veut dire qu'on aura beaucoup d'infections, beaucoup de consommation d'antibiotiques, mais le taux de mortalité, il n'y a aucun changement. Il y a une méta-analyse récente pour la kétamine en trauma. Donc vous voyez ici en 2019, uniquement il n'y a que 4 études qui ont été retenues. Alors la conclusion, pas de conclusion, pour l'instant il n'y a pas assez de bénéfices pour la kétamine. On le compare soit, vous voyez ici, au thiopental, à la kétamine, à l'étomia. Donc la méta-analyse qui est concernée parce qu'il y a plusieurs biais, on a retenu uniquement 4 études et la conclusion des auteurs, il n'y a pas assez de bénéfices, mais bien sûr, on doit avoir d'autres études randomisées plus larges pour définir. Il y a un effet bénéfique peut-être, mais il faut le démontrer statistiquement. Si on compare le propos faculté pentage chez des femmes enceintes, pas grand-chose, sauf qu'on gagne en termes de lait dérivé. Mais pas d'effet hémodynamique, pas de vasopresseur, rien. Donc, juste du lait dérivé entre tiopental et propofol. Récemment, il y a un article sur plus ou moins des recommandations sur le trauma crânien. Qu'est-ce qu'ils disent? Soit que le patient en hypotension, soit que le patient en hémotension. Vous voyez ici le traitement n'est rien. On peut donner des fentanyl à condition qu'il faut donner 3 minutes avant pour qu'elle soit bien sûr efficace. Ici, c'est la kétamine 1 demi-gramme, c'est l'étomidate, c'est la succinylcholine, et c'est bien sûr la maintenance. Donc, en fonction que votre patient est stable ou non stable. Alors, les morphiniques. Ça, quand on dit addiction séquence rapide, il n'y a pas de morphinique. Mais pour certains patients, on doit avoir des morphiniques. Donc, le problème des morphiniques, c'est ce qui est contre, c'est l'effet mitigant, ça augmente les vomissements, ça augmente les dérives d'apnée. Par contre, ça diminue la réponse hémodynamique à l'intubation. Vous imaginez mal que je fais faire une addiction séquence rapide chez éclamptiques, un HTIC ou un coronarien sans morphinique. Donc, c'est l'indication, ce qu'on appelle une addiction à séquence rapide modifiée. Donc, il y a ici la réponse hémodynamique en comparant la rémifentanine avec l'hydrocaïne avec l'isoméloir, c'est-à-dire pour réduire la réponse hémodynamique à l'intubation. Vous voyez que le rémifentanine, le morphinique, est beaucoup plus efficace qu'avec un bêta-bloquant à un antiarythmique. Donc, ça ne marche pas très bien, c'est-à-dire si on bloque la réponse hémodynamique par rapport à l'injection d'un morphinique. Alors, quelle dose? Donc là, il y a deux doses, 0,5 à 1 gamma par kilo. La dose la plus efficace, ça a été montré que 1 milligramme par kilo à l'indiction de rémifentanil, ça permet de réduire le retentissement hémodynamique de l'indiction à séquence rapide. Ça a été montré que même en injectant des morphiniques, il n'y a pas d'effet de nausée, il n'y a pas de vomissement. Donc, ce n'est pas une raison pour ne pas les injecter chez les patients à risque. Autre alternative, c'est ce qu'on appelle la fentanyl. Vous voyez, à 30 à 40 gamma par kilo. Alors maintenant, on a fait l'induction. Maintenant, quelle gestion des voies aériennes supérieures? Est-ce qu'il faut mettre faut intuber une laryngoscopie indirecte, faut un tuyau ou un dispositif supraglottique? Alors récemment, on parle beaucoup plus de vidéolaryngoscope, dont induction séquence normale, Par contre, induction séquence rapide, maintenant on parle de plus en plus. Ça permet, c'est-à-dire en utilisant un vidéolaryngoscope, ça permet d'améliorer la visualisation chronologique dans les inductions à séquence rapide. Donc, on doit être utilisé, c'est-à-dire le vidéolaryngoscope, tout ce qui est vidéolaryngoscope, dans l'induction à séquence rapide. Alors, il faut faire attention pour l'extubation, parce qu'on manque de concentration, le patient il est dans la salle de réveil, on ne fait pas attention. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup d'inhalation qui revient au bon moment de réveil. Ce n'est pas pour l'induction, parce qu'on est beaucoup, au moment d'induction à la salle de réveil, généralement, on ne fait pas trop attention. Donc, je vais passer. Est-ce qu'on peut améliorer nos pratiques? Oui, il faut mettre des protocoles, il faut l'organisation, de la communication, et bien sûr, il faut débriefer toutes ces pratiques au protocole. Ici, en voyant, par exemple, ils ont revu les 133 cas d'inhalation, qu'est-ce qu'on voyait? Erreur du jugement, faute de technique, problème de préparation, problème de communication, assistance, problème dans un environnement qui n'est pas familier. Donc, il y a plusieurs facteurs qui exposent, bien sûr, à des risques pendant l'intervention. Donc, on doit analyser ça pour éviter les risques d'inhalation. Et il propose, bien sûr, vous voyez, c'est un checklist. Vous voyez ici la préparation, le patient positionnement, la physiologie de l'optimisation, le monitorage. Donc, c'est un checklist qui a vérifié. Normalement, il doit être affiché dans les urgences pour dire exactement qu'on n'a rien oublié pour commencer une addiction en séquence rapide. Voilà, c'est la fin. Donc, l'indiction en séquence rapide, il faut réduire le volume d'estomac, vous voyez. Il faut éviter, au maximum, si possible, l'anesthésie générale. Il faut préparer les antiacides. Il faut protéger les voies aériennes, bien sûr. La pression cryogénique plus ou moins. Et, bien sûr, le positionnement du patient. Je vous remercie. Pas de questions.
C'est vrai que c'était trop complet. Trop complet. Moi, j'aurais voulu que tu insistes sur certains points qui demeurent un petit peu obscurs. Par exemple, la manœuvre de Selig, j'aurais voulu que tu tranches. Tu nous as donné la revue Cochrane qui dit qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais après, tu dis attention, l'intérêt, c'est qu'elle est opposable. Donc, c'est un problème médico-légal et vaut mieux avoir fait la manœuvre de Selig. La Cochrane, ça date de 2015. La Cochrane, ça date de 2015 et maintenant en train de voir les alternatives. L'article de 2019, en 2019, il y a un éditorial qu'il faut dire qu'il faut mettre la pression curriculaire à côté. Pourquoi il faut mettre à côté? C'est-à-dire, ce n'est pas pour rien faire, parce qu'il y a d'autres alternatives, peut-être qui sont beaucoup plus intéressantes que la pression curriculaire. C'est-à-dire, on l'utilise pas. On ne l'utilise pas. Enfin, tu vois, je ne sais pas si les gens dans la salle ont retenu ça. On refait le match. Voilà, ça c'est 2019, c'est un éditorial qui a accompagné l'article. Ils disent qu'il faut mettre à côté. Pas parce qu'on ne doit rien faire à côté, parce qu'apparemment il y a d'autres alternatives qui marchent. C'est ce qu'on appelle après la compression paratrachéale. D'accord, ben voilà. Donc il y a peut-être autre piste à rechercher, peut-être que c'est plus efficace. Et bien sûr, c'est dans cette étude, ils ont montré qu'en faisant la compression paratrachéale gauche, ils ont montré qu'il y a beaucoup plus efficace qu'une pression, cricoïdienne. Parce que le précautionnaire chirurgien, les IRM sonographiques, scanographiques, c'est pas très... Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui t'écoutent? Il n'y a pas de recommandations. Avec leurs oreilles toutes ouvertes. On conseille de le faire. Par exemple, notre ami Bliamani conseille de ne pas la faire. Bon, ben, j'aimerais bien que tu te mouilles toi aussi. Alors, je pense qu'on doit le continuer à faire. On doit la relâcher si on a des problèmes d'intubation, si on a des vomissements, si on a des problèmes d'intubation, oui. Alors, mais je pense qu'on doit continuer à faire parce que c'est le plan médico-légal. Bon, lui, voilà, il maintient le problème médico-légal et la valeur opposable. Le problème, c'est l'efficacité parce que tout le monde ne fait pas la pression curriculaire telle. Correctement, mais voilà. Tu l'as fait. C'est-à-dire si tu on met le doigt, mais on ne sait pas exactement quelle pression. Tu mets le doigt, bon, là, il est... Il veut trafiquer, celui-là. Alors, dans le même ordre d'idée, j'aurais voulu que tu tranches pour la sonde gastrique. Alors, on la retire, on la retire pas, on la retire un peu. Alors, ce qu'il faut faire, il ne faut pas la laisser dans l'estomac, tout simplement. Il faut la retirer, on va mettre en milieu intestinal. Parce que si vous mettez, c'est-à-dire toujours la sonde en place... Le cardiaque ouvert, d'accord. Voilà. Donc, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. C'est très bien, ça c'est un message. Avoir l'induction. Dans l'œsophage, mais jamais au-delà du cardiaque. Troisièmement. Alors, ça m'a intéressé, la pression paratrachéale. Comment tu l'as fait? Tu appuies directement sur l'œsophage ou bien tu dévies la trachée? Comment tu fais? C'est une pression verticale, comme ça. Enfin, j'ai des articles comme ça, c'est une pression verticale. Tu appuies verticalement. Il y a les images échographiques, vous voyez ici, sur la sonde. Voilà. C'est j'étale le médial, c'est une pression directement. Parce que généralement, l'œsophage, le plus souvent, c'est à gauche. Donc, en mettant une pression trachéale gauche, on appuie directement. Là, tu comprimes directement l'œsophage. Ben, ça, je crois qu'il faut l'apprendre. Hein. Moi, je n'ai jamais entendu parler. Je viens de voir ça, je n'ai jamais pratiqué. Ah, tu ne l'as pas encore pratiqué? Non, je viens de voir l'article. C'est pas mal. Voilà, merci. Merci beaucoup, Stéphane Serre. Moi, je trouve que c'est une excellente présentation. Vraiment, je te félicite parce que tu as fait vraiment un panorama complet de ce qu'il faut. Et tu as insisté aussi sur les choses qu'il faut garder en tes comme messages, les messages à prendre à la maison. Alors, j'ai deux petites questions. Premièrement, quelle est ta réflexion par rapport aux inhalations imprévisibles? Les inhalations imprévisibles. Il y a l'intubation imprévisible, bien sûr, mais il y a aussi l'inhalation imprévisible. C'est-à-dire que tu pars sur un protocole d'induction tranquille, habituel, et puis tu es surpris par l'éruption du liquide gastrique dans l'oropharynx. Prends l'exemple d'une jeune patiente très stressée, angoissée, etc., qui a un résidu gastrique non étiqueté. Comment tu réagis par rapport à cette situation? Et puis, ma deuxième réflexion... Quand tu fais la comparaison des protocoles d'anesthésie face à un estomac plein, dans la littérature, c'est vrai qu'on fait des comparaisons secs, c'est-à-dire à patient égal. Mais dans la vie réelle, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
dans la vie réelle, tu as d'autres contingences auxquelles tu es obligé de te soumettre. Si on fait par exemple en milieu d'urgence une intubation sur une intubation à séquence rapide avec intubation, et tu offres pour le protocole par exemple céloketamine. Tu as d'autres contingences qui vont venir s'opposer à toi. Est-ce que tu as une hypercaliémie? Est-ce que tu as un problème neurologique? Donc les comparaisons dont la littérature des drogues, une comparée à l'autre, doivent pas être une bible ou quelque chose, il n'y a qu'un ausile. C'est une mode de réflexion, mais dans ta vie réelle, en réalité, tu as d'autres contingences qui vont t'imposer un protocole donné. D'accord? Donc, dans ta réflexion, tu dois bien sûr présenter opposer les différents agents les uns par rapport aux autres, mais tu dois toujours conclure que de toute façon, le choix définitif se fera en fonction de la situation qui se présente à toi et qui est tout le temps différente d'une autre situation. Ok? Alors, pour l'inhalation imprévisible, ça veut dire on a respecté tout, le patient commence à inhaler, il a vomi. Donc, normalement, dans la tête basse, il y a une étude qui a été faite, on peut mettre la tête basse dès le début, sauf qu'elle aggrave l'intubation et la ventilation. On met la tête basse, on aspire avec un haut débit pour aspirer le maximum, on doit intuber rapidement et on doit aspirer sur la trachée. Et bien sûr, ce patient doit être servi en salle de réveil, en service post-intervention. Il faut faire une gazométrie radio de poumon pendant 2 heures. Et s'il y a une saturation qui est correcte avec un radio de poumon normal, on doit aller en service. Si votre radio de poumon est anormal avec une saturation qui reste 1,94, il doit être passé en soins intensifs, en réanimation. Pour le choix des drogues, c'est toujours en fonction du terrain des patients. Donc c'est vrai, c'est des études protocolisées, c'est-à-dire on choisit des patients A1, A2, pas de diabète, pas d'HTA, mais dans la vraie vie, et c'est en fonction des patients. On a quatre hypnotiques, par exemple, le tupental, le propofol, le kétamine et l'étomidate. L'étomidate, c'est le problème des sessions cérébrales, mais ça permet une stabilité hémodynamique. La kétamine, ça permet une certaine stabilité hémodynamique pour les traumas crâniens et pour les patients choqués. Et le propofol, c'est une instabilité hémodynamique. Donc, bien sûr, en respectant les contre-indications. Donc, le choix, c'est toujours en fonction du patient et son terrain et son état hémodynamique. Mais il n'y a pas de... C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il faut exiger un type d'hypnotique pour un type de patient. Parce que les études, c'est des protocoles à part là, c'est-à-dire la vie pratique. Une dernière question, parce qu'on se focalise sur la manœuvre de Célie. Mais est-ce que... Je voudrais que tu poses la question à la salle, parmi les résidents, parmi les collègues ici présents, qui utilise les IPP effervescents et qui, en cas d'essoma plein, et je voudrais que les gens vraiment lèvent la main et disent vraiment s'ils le font ou pas. Franchement, c'est par honnêteté intellectuelle vis-à-vis de l'assistance. Et la deuxième question, qui injecte des l'érythromycine avant de faire une induction à estomac plein? Alors voilà, je voudrais qu'on fasse le test. Un anti-H2, ranitidine effervescent. Alors, qui fait de l'érythromycine injectable en estomac plein? McEnch. L'érythromycine. Ok. Alors, anti-H2 effervescent. Qui fait du l'azantac effervescent ou ranitidine? IM. Qui le donne effervescent? Effervescent. Que disent les recommandations? Il faut le donner IM, IV ou effervescent? Oral. Oral. L'antiacide. C'est surtout par voie orale, je crois. Deux heures. Oral, 2 heures. Est-ce que parmi les résidents, quelqu'un donne un antiacide par voie orale? Avant une induction estomacale. L'équilibre a hésité. Il y a un grand problème par rapport. Alors on se focalise sur le CELIC, c'est très bien. Mais il y a des choses quand même qui sont de portée. Attends, le micro, là. Est-ce que tu as parlé de la position proclive avant l'intubation? Oui. Tu l'as dit? Oui. Alors, là, mais je t'ai dit que pour l'intubation. Ouais. Est-ce que tu as parlé de la position proclive qui est une recommandation pour l'intubation en urgence? Oui. Non, j'ai pas parlé. J'ai parlé vraiment en cas d'inhalation. Vous compris notre position. Non. Hein, au moment de l'inhalation, tu baisses la manivelle et la manivelle. Mais avant d'intuber, tu es malade à 30 degrés. Oui. Ça, c'est une recommandation récente. Oui. Sauf que ça aggrave un peu, rendre un peu l'intubation, l'apprentissage un peu difficile. Pour les morphiniques, toi, pour ton expérience, tu les utilises ou tu les utilises pas? Alors, il y a deux morphiniques.
On l'utilise. C'est-à-dire, généralement, parce que le risque, parce que le problème du morphinique, on a toujours dit des nausées et vomissements, mais on n'a jamais eu de problème. Sauf que le problème, avec les fentanyl, il faut l'injecter 3 minutes pour qu'il soit efficace. C'est-à-dire, pas une minute, pas une minute, on ne sera pas efficace. Avec le remifentanil et le fentanyl, il n'y a pas de problème. Une minute. En pratique de tous les jours, quel type de nos résidents ton protocole? Pratique de tout le protocole robot, par portée robot du protocole. On donne généralement, ça dépend des patients, à 50 à 100 grammes de fentanyl. Pour certains patients, pour les crânes, pour les neurochirurgies, pour les coronariens, les HTA, pour les patients anxiolytiques, on donne des morphiniques. On dit que c'est en séquence rapide modifiée. Et qu'est-ce que tu utilises comme hypnotique? Ça dépend des terrains, soit ce soit des propofol, soit des tupintal, enfin on avait un peu de tupintal ou des propofol. Généralement, pas beaucoup. C'est mauvais comme question, ça. Oui. C'est dur. Non, l'étomidate, il fait endormir les malades, mais il faut qu'il soit à AZA4. Oui. Et la kétamine, qu'est-ce qu'il en est de la kétamine? La kétamine, c'est généralement dans les urgences. 1 demi-gramme par kilo, mais on n'utilise pas beaucoup. Mais c'est maintenant, c'est même sur la dernière méta-analyse qui a été faite sur les quatre études qui ont été sorties, il n'y a pas assez de bénéfique en le comparant à la tupinta ou par rapport à l'étomidate ou par rapport au propofol. Mais ils disent qu'il y a un bénéfique, mais il n'est pas encore démontré sur le plan statistique. Il y a d'autres questions dans la salle, les jeunes? Merci, monsieur Benzler. Il y a une question. Attendez, s'il vous plaît. Oui, c'est un autre. Merci, cher maître. Et je voudrais connaître le message clé pour l'induction à séquence rapide modifiée. Comme l'induction à séquence rapide, vous nous avez dit de faire la pré-oxygénation, hypnotique, cellique, intubation, morphinique. Bon, maintenant, modifié, je vais. Une scène comme ça, on va sortir avec ça, nous les résidents, et on va appliquer ça dans les différents services. Alors, quand on dit une séquence rapide modifiée, c'est en ajoutant du morphinique. Alors, si vous avez les remifentanil ou l'alfentanil, vous les injectez ici, avec l'hypnotique, parce que le délai d'action, c'est une minute, vous aurez votre morphinique qui est déjà efficace au moment de l'intubation. Si vous avez que du fentanyl, il faut l'injecter ici, 3 minutes, ça veut dire que vous avez une minute ici, 2 minutes avant. C'est ça, les séquences rapides modifiées, c'est-à-dire l'ajout du morphinique. C'est ça. C'est long. Ça, c'est vrai. Maintenant, on va parler à M. le professeur Domier pour nous parler de la lecture critique d'un article médical. Merci. Bonsoir. Cher maître, cher confrère, permettez-moi de vous présenter cette conférence sur une lecture critique d'un article médical sur l'utilisation des corticoïdes dans le choc septique. Donc, c'est un article de Nejm, publié en mars 2018 par l'auteur Van Katesh. Donc, pourquoi une lecture critique? Donc, pour choisir un bon article, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, il y a abondance de la littérature scientifique. On n'a pas de temps. Donc, on est devant une situation que lire, que retenir pour la pratique clinique. Donc, ce que permet la lecture critique d'un article.
Donc il va trier les bons articles et gagner du temps. Il va déterminer objectivement les points forts et les points faibles d'un article pour voir situer l'article dans la littérature et suivre la littérature sur le sujet et définir son champ d'application potentiel et choisir sa mise en pratique pour améliorer ou modifier des procédures de soins. Alors, nous allons traiter ce cours par deux objectifs pédagogiques, connaître les règles de base et connaître les principales étapes de la lecture. Donc, pour maîtriser la lecture, il faut une bonne connaissance des principes de la rédaction médicale, de la méthodologie de recherche, des niveaux de preuve, les quatre niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et donc, nous allons choisir aujourd'hui le niveau 1, c'est les essais comparatifs randomisés de forte puissance et les grilles de lecture. Donc, quatrièmement, c'est les grilles de lecture. Et chaque type d'étude a une grille de lecture spécifique. Les essais randomisés, c'est le consort. Pour les observationnels, c'est STRO. Pour les systématiques, Groveview, c'est PRISMA. Et les case reports, c'est CARE. Donc, si vous voulez plus de détails, vous consultez le site Equator Network. Alors, le modèle grille consort, c'est ça. Donc, il y a chaque section a des commentaires à faire, depuis le titre jusqu'au la partie discussion, conclusion et des informations supplémentaires. Donc, on va traiter l'article selon cette grille, mais les items les plus importants. On ne va pas tout détailler. Alors, les principales étapes de la lecture critique, la première étape, c'est comment choisir l'article. Donc, on veut détailler le sujet sur les corticoïdes dans le choc septique, donc on est parti revoir les recommandations internationales donc de 2016 sur l'hydrocortisone. Donc, l'utilisation de l'hydrocortisone lorsqu'il n'y a pas de réponse au remplissage et des vasopresseurs, à ce moment, on utilise l'hydrocortisone intraveineux à dose de 100 mg. Mais quel est le niveau de la recommandation, la puissance de la recommandation et le niveau d'évidence? Donc, recommandation de niveau faible avec un niveau d'évidence bas. On a revu aussi les recommandations européennes sur l'utilisation des corticoïdes au niveau de la réanimation, donc les insuffisances corticostéroïdes au niveau de la réanimation, ça s'appelle CRCI. Donc, on critique le CARE Medicine en décembre 2017. Ils disent la même chose. Utiliser l'hydrocortisone, s'il n'y a pas de réponse au remplissage et des doses modérées et fortes des vasopresseurs, ils ont utilisé la recommandation conditionnelle. C'est-à-dire, on peut utiliser ou on ne peut pas utiliser. Et toujours, le niveau de la qualité d'évidence, il est toujours, le niveau il est toujours bas. La dose, c'est 400 mg, inférieure à 400 mg par jour pendant au moins 3 jours. Donc, à partir de décembre 2018, on a fait la recherche hydrocortisone, choc septique, PubMed. Donc, on a sélectionné la recherche sur multicentrique, donc sur les niveaux de preuve élevés. Donc, les études multicentriques, randomisées, contrôlées, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, chez l'adulte. On a trouvé 3 articles. Puisque ce qui nous concerne, c'est l'hydrocortisone, donc on a choisi l'article de Venkatesh en EJM 2018. Et par chance, 2 publications sur le même sujet. Mais pour l'hydrocortisone, fluidrocortisone, c'est l'équipe d'Anna, l'équipe française. Et l'équipe australienne, c'est l'équipe d'hydrocortisone dans le choc septique. Maintenant, on va passer à l'analyse de l'article. Donc, on commence par l'analyse du titre. Voilà le titre.
on cherche la forme. Est-ce qu'il est considéré attractif? Oui, il est attractif. Il parle de recourtisan dans le choc septique. Est-ce qu'il est informatif? C'est-à-dire, on peut déterminer à partir de ce titre quel est le type d'article, c'est-à-dire essai clinique, méta-analyse, revue systématique, revue générale, cas clinique. Il peut, le titre n'est pas assez évident pour montrer quel type d'article. Donc, pour détailler le contenu du titre, il suit en général le schéma PECOS. C'est quoi PECOS? C'est-à-dire on trouve la population, l'intervention, la comparaison, le pronostic et le schéma d'étude dans le titre. Alors, on a revu le titre dans le protocole. Chaque essai a un protocole publié, puisque l'étude a commencé en 2013. Ils ont publié le protocole sur le titre « Randomisation contrôlée, comparant l'hydrocortisone avec le placebo dans le choc septique chez les malades de réanimation ». Donc, il suit globalement le contenu PECOS. Donc, la population, c'est les patients avec choc septique. L'intervention, c'est l'effet de l'hydrocortisone. La comparaison, c'est le placebo. La mortalité, non. Mais en général, les grandes études, c'est le jugement sur la mortalité. Les schémas d'études, c'est une étude randomisée, contrôlée. Comment on critique le résumé? Le résumé doit répondre à 4 questions. Pourquoi ce travail a été fait? L'objectif. Lorsqu'on a lu le titre, l'objectif, même si dans NEJM, ils n'ont pas bien mis en évidence l'intérêt de la question. C'est-à-dire, il faut qu'ils mettent hypothèse, par exemple, est-ce que l'hydrocortisone réduit la mortalité dans le choc septique? C'est comme ça qu'on formule une question. Alors, ils ont utilisé l'hydrocortisone, réduit la mortalité, reste incertain. C'est comme une introduction. Comment? Donc, c'est matériel et méthode. Donc, leur matériel et méthode était bien fait. Les résultats donc, sont clairs. Et la quatrième question, les conclusions. Ils ont conclu que l'hydrocortisone dans le choc septique chez les malades en ventilation mécanique ne diminue pas la mortalité à 90 jours. Maintenant, quel est l'objectif de l'étude? On rentre dans l'article. Quel est l'objectif de l'étude? L'objectif, il faut à chercher dans la dernière paragraphe de l'introduction. Ça, c'est la dernière paragraphe de l'introduction. Il commence toujours par un verbe à l'infinitif. Exemple ici, c'est tester, to test. Donc, il commence ici. Donc, pour identifier l'objectif, c'est ça l'objectif. L'objectif est-il bien énoncé? La même chose, SUI, formule PICO, population, c'est les patients avec choc septique, l'intervention, l'hydrocortisone, la comparaison, placebo, et la mortalité, il est signalé. Donc, ils ont bien énoncé l'objectif. C'est une vraie question est-ce que c'est une vraie question de recherche? Oui, puisque on n'a pas encore une certitude sur l'intérêt de l'utilisation de l'hydrocortisone dans le choc septique. Donc, il va permettre de donner des avancées des connaissances scientifiques sur ce sujet. Chaque étude égale un seul objectif. Donc, un seul objectif. On ne peut pas trouver d'autres, on ne peut pas détailler d'autres objectifs dans l'article. Quel est le schéma d'étude? Donc, c'est un essai multicentrique pragmatique randomisé en double aveugle, contrôlé en groupe parallèle en intention de traiter. C'est le niveau le plus supérieur des études multicentriques. Donc, la randomisation en double aveugle, en intention de traiter, c'est de montrer la supériorité de l'hydrocortisone versus placebo. Et intention de traiter, c'est-à-dire on va prendre en considération tous les malades randomisés. Ce n'est pas comme per protocole. Per protocole, lorsqu'on traite que les malades qui ont reçu effectivement le protocole. Ça, c'est la différence entre intention de traiter. Lorsqu'ils utilisent en intention de traiter, leur biais d'étude il est très très faible. Ça montre que l'étude il est méthodologiquement presque parfaite. Et c'est pragmatique, ils ont utilisé le mot pragmatique. Lorsqu'on évalue l'intérêt d'un traitement dans des conditions réelles de prescription, on parle d'essai pragmatique. Le schéma d'étude est-il cohérent avec l'objectif principal de l'étude?
les études multicentriques larges, en général, l'objectif principal, c'est la mortalité. Donc, le schéma d'études, pour faire la différence, ils utilisent deux bras. Donc, le schéma d'études, il est adapté pour montrer la différence. Donc, voilà le schéma en général des essais cliniques. Donc, l'essai contrôlé contre placebo. L'hypothèse supériorité, c'est l'intention de traiter. Leur randomisation, c'est déjà fait. Aveugle, il est en double aveugle, multicentrique, et le schéma et les bras parallèles. Les critères de jugement. Il y a deux types de critères. Il y a le critère de jugement principal. C'est le critère, c'est la mortalité à 90 jours. Donc, il faut chercher quelle est la qualité de ce critère. Est-il de qualité? Lorsqu'il utilise la mortalité, il a une définition facile, il est de qualité. Donc, il est unique, objectif, reproductible, utilisable en pratique, et découle directement de l'objectif principal. Est-il adapté à l'étude? Oui. Alors, chaque essai, il a un seul critère de jugement et plusieurs critères de jugement secondaires. Il faut qu'ils soient pertinents et en nombre raisonnable. Donc, ils ont choisi d'autres critères. Il y a la mortalité à 28 jours, le temps de résolution du choc, la récurrence du choc, la durée de sujet au niveau de la réanimation, la durée d'hospitalisation, la fréquence et la durée de la ventilation mécanique, la fréquence et la durée de l'épuration extrarénale, le développement de la bactérie entre 2e et 14e jour après la randomisation, le saignement et la transfusion en réanimation, et dernièrement l'évaluation de la qualité de vie à 6 mois. Quelle est la population étudiée dans cet article, dans ce travail? Donc, les patients. Donc, c'est une étude qui a été réalisée entre mars 2013 jusqu'à 2017. Il a les patients éligibles, c'est 5501, et dont randomisés 3800. Donc, avec 69 centres de réanimation médicale chirurgicale, 45 au niveau de l'Australie. C'est une étude dirigée par les Australiens, donc 45 dans l'Australie. Le Royaume-Uni, c'est 12, New-Zélande, 8, l'Arabie Saoudite, 3, et Danemark. Donc, voilà, pour voir la population, on voit le diagramme de flux. Donc, les patients screenés, c'est 21 018. Après les critères d'inclusion et d'exclusion, on se trouve avec 3800. Qui sont divisés en deux, bras et bras de l'hydrocortisone et bras du placebo. Donc les critères d'inclusion. Donc les critères d'inclusion, donc c'est les patients supérieurs à 18 ans qui ont une ventilation mécanique avec documentation de l'infection ou suspicion de l'infection sur les critères du CIP 6 de 2001 et qui sont sous vasopresseur ou inotrope depuis 4 heures. Donc, ils ont calculé le nombre de sujets. Ils disent qu'il faut 3800. Comment ils ont calculé ça? Un peu de statistiques. Donc, sur la base de calcul sur la littérature, ils ont trouvé que la mortalité est à 33%. Ils veulent chercher une différence de 5%. Donc, pour ça, il faut définir le risque alpha et le risque bêta avec la puissance de l'étude à 90. Lorsqu'on augmente la puissance et on diminue avec le risque alpha, et la puissance à 90, il y a une différence faible, donc il faut beaucoup de patients. La puissance de l'étude est adaptée suffisante? Oui, il est adapté suffisante. La randomisation, donc les questions à poser pour la randomisation, l'étude comporte une randomisation? Oui. Est-ce que la méthode est décrite? Ils ont décrit la méthodologie. Ils ont garanti l'imprévisibilité du médicament, des traitements alloués aux deux groupes. Lorsqu'il est multicentrique, il faut stratifier ça sur les centres pour qu'il y ait un équilibre entre les centres et aussi équilibrer selon le type d'admission, chirurgicale ou médicale. Donc, leur randomisation est parfaite. Le protocole, ils ont plus ou moins fabriqué des flacons de hydrocortisone, donc avec un cachet comme ça, et avec des codes
Donc seuls les gens qui ont les investigateurs qui connaissent quel type de flacon. Mais le praticien et le malade donc, ne savent pas quel médicament. Donc pour les résultats, donc les deux groupes étaient comparables concernant l'âge, le sexe, le score d'APH, l'utilisation de la ventilation mécanique, les vasopresseurs, le site d'infection et aussi et d'autres facteurs qu'on verra après en résumé. Alors, le résultat, donc la comparaison sur le pronostic, donc la mortalité ne diffère pas entre l'hydrocortisone et le placebo, donc PIL 0,5, donc mortalité 27,9 versus 28,8. Donc le critère majeur, donc il n'y a pas de différence sur la mortalité. Sur les autres critères secondaires, alors il y a une différence, donc nous allons voir ça dans la discussion. Ça, c'est la courbe de Kaplan-Meier, donc qui de survie, donc c'est le suivi des patients au cours de l'étude de H0 jusqu'aux 90 jours, et donc à H0 c'est les deux groupes 1832-1826, et puis chaque 10 jours il y a perte de, donc des malades décédés, on note que les malades survivants ici jusqu'à la fin. À partir de ces deux points, on peut deviner quel est le nombre de malades dans les deux groupes qui sont survivants. Donc, vous voyez qu'ils sont presque identiques. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, deuxième groupe, l'analyse des patients qui sont décédés. Donc, on a cherché est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui conditionnent, qui sont surajoutés à la mortalité que l'effet du protocole. Donc, ni le sexe, ni le type d'admission, ni la dose des catécholamines, le score d'APH, ni la durée du choc jusqu'à la randomisation dans les deux groupes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la population, ça, c'est l'intervalle de confiance, ça, c'est le ratio, il n'y a pas d'effet. Donc, à partir de... S'il est là, donc, il est en faveur de l'hydrocortisone, c'est de l'autre côté, c'est en faveur du placebo, à condition qu'il ne coupe pas la ligne médiane. Donc, ça, c'est l'évolution des malades. Donc, la durée du choc, surtout dans les premiers 10 jours, où là, on a remarqué qu'il y a une différence entre les deux groupes. Donc, ça, c'est les résolutions du choc. Les effets indésirables, donc, ils sont comparables dans les deux groupes. Donc, il n'y a pas de différence concernant les effets indésirables. Maintenant, la discussion. Est-ce que les auteurs y apportent-ils une réponse clair aux deux questions, c'est-à-dire sur la mortalité et sur les critères de jugement secondaire. Donc, concernant la mortalité, donc l'hydrocortisone n'entraîne pas une diminution de la mortalité à 90 jours. Critères secondaires de jugement, les effets bénéfiques. Il y a résolution du choc plus rapide, une incidence de transfusion faible, délai de 6 jours de la sortie de la leçon, donc plus court, arrêt précoce du premier épisode de ventilation. Pas de différence significative concernant la mortalité à 28 jours, le taux de récurrence du choc, le nombre de jours en dehors de la réanimation aussi à l'hôpital et après, et les récurrences de la ventilation mécanique, l'utilisation de l'épuration extrarénale et le taux de bactériémie-fongémie nouvellement apparu. La particularité de ce protocole adrénal, ça s'appelle adrénal essai, donc il y a des différences. Ils ont utilisé l'hydrocortisone en perfusion continue. Ils n'ont pas fait d'arrêt brutal. Ils ont fait arrêt brutal de l'hydrocortisone après l'utilisation, donc pas d'arrêt progressif. Ils n'ont pas fait de test d'ACTH avant d'utiliser l'hydrocortisone. Ils ont exclu les patients qui ont reçu l'étomidate. Ils n'ont pas associé avec l'hydrocortisone, le fludrocortisone. Les points forts de l'étude, donc méthodologie bien faite, intention de traiter, échantillon la plus large, c'est la plus large, si on fait la recherche bibliographique, c'est la plus large, faible billet, malade perdu de vue, ils ont 0,8, c'est un avantage aussi, multicentrique, donc on peut l'appliquer, donc c'est la validité externe. Les points faibles rapportés par les auteurs, donc, les événements indésirables liés au protocole sont jugés uniquement que par les praticiens. Les données sur les infections secondaires possibles ne sont pas collectées. Ils ont enregistré que les bactériémies et les fongémies.
l'adéquation de l'antibiothérapie, ils n'ont pas discuté ça. Ils ont fait le diagnostic de la neuromyopathie de réanimation que sur l'échec de sevrage. Et aussi, ils rapportent que l'affaiblissement musculaire à long terme n'a pas été évalué. En conclusion, ils ont conclu que l'hydrocortisone, chez les patients en ventilation mécanique, en choc septique au niveau de la réanimation, l'hydrocortisone ne diminue pas la mortalité à 90 jours. Pour nous, après cette lecture, que pouvons retenir de cet essai clinique? Utiliser ou non, ou peut-être l'hydrocortisone. Donc lorsqu'on a revu, on a trouvé que les critères d'inclusion déjà utilisés dans l'étude, ils ont utilisé les critères d'inclusion de 2001. Les critères d'inclusion pour mettre les vasopresseurs, leur objectif c'est des PAM à 60. C'est pas, et ils ne cherchent pas les lactates. Dans le sepsis, choc septique 3e édition, donc et pour parler de choc septique, il faut vasopresseur pour avoir 65 avec des lactates supérieurs à 2. Lorsqu'ils voulaient appliquer ça sur leurs malades, ils ont trouvé 75% n'ont pas les critères, selon le PAM. Et selon les lactates, 75%. Lorsqu'on prend les deux, lactate et c'est 50%, 50% presque dans les deux groupes. C'est-à-dire 50 malades n'ont pas les critères. Donc, selon cette définition, si on refait cette étude selon la nouvelle définition, peut-être, l'hydrocortisone a un effet. On a vu aussi la mortalité. Donc, la mortalité à 90 jours. Il y a deux essais. L'essai qui a été publié en même temps, dans la même revue, presque suivi, donc, qui suit l'adrénal. Ça, c'est l'étude de Gilali Annan. Il a trouvé l'avantage des corticoïdes, mais en association. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le groupe placebo. Ils ont trouvé 49,1 versus étude adrénale 28. Ils ont une mortalité faible. Donc peut-être le choc septique modéré. Et aussi, on a cherché dans leur protocole, on a trouvé que les malades, presque la moitié, ont des doses inférieures à 15. C'est-à-dire c'est 0,25. Unité par kilo, par microgramme, par kilo, par minute. C'est rien. Donc peut-être leur choc était modéré par rapport au choc. C'est pour cela que l'intérêt des hydrocortisone n'est pas évident. Et on a cherché aussi sur le score de gravité. Ils ont le score de gravité inférieur à 25. Ils disent dans l'article que 25, c'est le critère de gravité, le cutoff à 25. La moyenne chez eux, c'est 24 dans les deux groupes. Donc l'hydrocortisone nous sera bénéfique. Peut-être, donc on a supposé une hypothèse, peut-être il est... Si, seul ou avec l'hydrocortisone, c'est le choc septique grave. Et lorsqu'on revoit les recommandations, qu'est-ce qu'ils disent? Utiliser l'hydrocortisone, c'est échec de remplissage plus vasopresseur à dose modérée ou sévère. Sur la morbidité, mais sur la morbidité, il y a des avantages. Donc, réduction de la durée du choc, un taux de transfusion plus faible, durée de suture en réanimation et ventilation mécanique. Ça intéresse les gens de l'économie de santé. Donc, il réduit la durée et tout ça. Donc, moins d'hospitalisation et donc le coût. Peut-être, selon ces résultats, on peut indiquer l'utilisation de hydrocortisone dans le choc septique. Donc, selon les CADREN. Donc, en conclusion, ce qui est publié en NEJM, ce n'est pas des paroles d'évangile. On peut critiquer même NEJM. On trouve que des chercheurs américains sur trois coupables d'inconduite scientifique. La pratique de la LCA, donc ça c'est diffusé à Daraïch Doné. La pratique de la LCA est nécessaire, donc c'est pour maintenir nos connaissances un jour dans un monde. Donc chaque jour il y a des recommandations pour prendre une position juste, un bon enseignement, pratique médicale de qualité et un développement de la recherche clinique. Donc c'est une étude qui n'a pas été, donc il a été investi par l'Institut national de l'Australie et de Nouvelle-Zélande avec quelques subventions du campaign sur VVN sepsis. Il n'y a pas de conflit d'intérêt pour eux, non déclaré, et je vous remercie. Merci beaucoup Sidoméry pour cette mise au point claire, nette et rapide. Trop rapide. Alors, une ou deux questions et ensuite on passe au buffet. Ouais, je dis. Tu veux que je critique mon poulain? Ça va pas. Il va me quitter. Si tu l'excuses. Hein?
C'est pas une poule. Hein. Déjà, c'est une critique, le poulain. C'est quoi la différence entre un choc septique grave et non grave? La gravité, grave sur les défaillances d'organes. Si on prend les scores de gravité. Ah oui, il va De gravité, lorsqu'on voit, on définit la gravité selon le score d'Apache, score de DGS, EGS, SOFA. Alors leur score, il est à 24. Ils disent dans l'article, on a pris 25 comme critère d'inclusion pour des malades plus ou moins graves. Et lorsqu'on voit le tableau, on trouve 24. Donc ce ne sont pas des malades graves. Et en plus, la dose, elle est faible. Choc septique. Non, ce n'est pas grave comme critère d'inclusion. Je ne parle pas de... Non, il n'y a pas de... Ça, c'est dans la définition d'inclusion. Il démarre avec des malades, avec faible dose de Nora, il met de l'hydrocortisone. C'est pour ce critère d'inclusion. Mais l'évolution, peut-être avec 0,01 de Nora, il termine avec dialyse, avec défaillance multiviscérale. Et puis, ils ont utilisé l'ancienne lactates dans le... Oui, oui. Et on a vu le tableau, malheureusement, on n'a pas eu le temps. Leur lactate moyen, c'est 3. Là, on voit les lactates 5, 6. Il y a des malades graves. Oui. Oui. Cette classification. Déjà, le choc, il est grave. Déjà, choc, c'est une gravité. Ouais. Merci pour votre présentation. On a bien vu qu'ils se sont appuyés sur la Surviving Campaign de Rivers. C'est bien ça. Et c'est sûr que la plus récente, s'ils avaient utilisé ça, ils auraient peut-être une autre... Et je pense que ceux qui ont vu la SFAR hier, il était question de choc septique et ils ont longuement recommandé de faire hydrocortisone, ifluhydrocortisone. Et je pense que vous arrivez à cette conclusion puisque... Les collègues vont demander est-ce qu'il faut qu'on en fasse ou il faut qu'on n'en fasse pas. Mais hier, je pense qu'il y a eu un gros débat et qu'ils sont restés sur il faut utiliser, puisque c'est Jilali Annan, hein, c'est le pionnier, c'est lui-même qui a... Oui. Et nous, ce serait bien intéressant de voir peut-être la prochaine fois l'autre article de Jilali Annan. Oui, effectivement. Puisqu'ils sont les deux publiés presque en complémentaire. Et la SFAR, ils vont apprécier plus Jilali Annan, puisque la SFAR, c'est les Français, c'est l'équipe française, Brun Buisson, l'équipe d'infectiologie, donc l'équipe. Mais leur échantillon aussi, il est critiquable. Leur échantillon, c'est 1800, 1500. Ce n'est pas comme 3000. Merci beaucoup. Donc, merci pour l'assistance. Nous allons passer au buffet. Je vous annonce que le prochain mercredi de l'UPRAR aura lieu le début avril. Ça sera la ruche. Ça sera la ruche avec professeur Mamoul Faroudi, Ali et Jawad Tadili qui vont donc nous...